bonjour à tous, bienvenue dans CLCK, le premier, alors on peut même pas appeler ça un quart de finale, mais premier quart de finale, eh bien, le premier round, je pense que c'est le terme parfaitement adapté. Noah, comment ça marche CLCK? Donc 4 qualifiés, le gagnant, le meilleur de la saison, donc les G-Tigers, attendent en finale leur adversaire. Le deuxième, SKT T1, attend en demi-finale son adversaire. Et le troisième et quatrième, donc Jin Air et CG Entus, s'affrontent pour avancer. C'est donc, ça. À quoi servent ces playoffs? Alors déjà, il y a de l'argent. Soit 100 millions de won. Non, argent. C'est plus que ça. Si 100 millions de won pour le premier, bon, soit 90 000 $. 54 000 $ pour le deuxième, 27 000 $ pour le troisième et 18 000 $ pour le quatrième. Et surtout aussi des points de circuit, parce que comme en LCS, il y a des points de circuit. 90 points pour le premier, 70 pour le deuxième, 50 et 30. Voilà pour l'enjeu du tournoi. Et une place au Mid-Season Invitational. Bien entendu. Pas le mid-season. Alors, entre ces deux équipes, j'ai lu pas mal d'articles. Et ce match, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est-à-dire ces deux équipes avec des variations de performance assez importantes qui sont capables de l'excellence ou du plus mauvais. Ben, on a vu des Jinair Red Wings qui parfois peuvent sortir des... Alors, ça, c'est le place de Mad Life. On était ensemble quand on l'a commenté. Ouais, on était ensemble. Et voilà, c'était assez énorme. Là, on a sorti les... Tu sais ce qu'il était capable de faire avant avec, avec son trash à sa très grande époque. Parce qu'on ne peut pas le nier. Mad Life est un joueur qui, l'ensemble de... Enfin, comme cette équipe Silgentus, capable de trucs absolument incroyables, comme de contre-performances assez bien regrettables. Ouais. Du coup, clairement, on a des Jinair Red Wings qui peuvent super bien jouer. On n'a pas commenté toute la saison de LCK, mais... On a commenté certains matchs de leur part. Et en fait, pour les matchs qu'on a commenté, il y a eu des moments très impressionnants et des moments vraiment très mauvais. Il y a eu des fois où tu regardes et tu dis, mais c'est pas possible, ils font rien. Alors, on a peut-être que tu peux passer tout ce qu'il y a, toute l'interview. Là, en plus, c'est traduit en anglais.기복이 심해가지고 약팀들이랑 할 때는 진 것 같아요. 사실 저희가 뭐 이적이 되고 싶었겠어요. 올라가는 분위기였는데 이게 좀 아쉬워요. 7-7! 1라운드 때는 CJ가 준비를 제대로 안 해왔던 것 같아요. 이제 후반으로 가면 이길 수 있다. 버티자. 아, 좀 힘들었어요. 저희가 이제 질 것 같다는 느낌이 드는 거예요. 마지막에 제가 잘렸잖아요. 잠을 못 잤어요, 제가. 다음엔 진짜 부셔버리겠다는 생각으로 부스에서 내려왔어요. 2라운드 때 갑자기 확 잘해주셔가지고 많이 놀랐어요. 경기 결과만 봐도 느껴지듯이 되게 쉬웠어요. 수리 같은 게 별로 안 느껴졌어요. 제가 템플 뽑았을 때 CJ 형들은 이미 알았을 거예요. 아유, 이겼다. 잡고도 좀 어이없어가지고 해석하면 나 마치 이제 골드급 코페라 같아. 메라 끌 때마다 그 한옥 소리도 저희가 들리잖아요. 끌고 갈 수 나오고 있어요. 메라는 나와서 절 땡기시더라고요. CJ 때 정을 생각하면 그럴 수가 없는데 마음이 아팠어요. 했으면 당할 것 같아서 썼는데 잘 넘어서 죽더라고요. 민규 끝 실수하셨어요. 저를 벽을 넘게 하셨어요. 끝났어요. 오늘 끝발합니다. 하군 정글발이죠. 역시 정글어발? 앤디션 얘기죠. 스타일이 달라서 그거는 경기를 해봐야 알 것 같아요. 앰비션 선수는 정글에 미숙했는데 2라운드 때는 확실히 잘하시더라고요. 트에서 되게 팀이 불리하더라도 되게 자신감 있게 하고 그래서 그런 거 되게 높이 평가해요.
저는 나라까지 한번 떨어지고 난 후에 실력이 많이 올랐거든요. 엠비지 선수도 한번 보내드리겠습니다. 뭐 지민한테 지금 바가지로 떨어진 건가? 이거 미드로 있을 때나 정글로 있을 때나 플레이가 되게 비슷한 것 같아요. 뭐가 비슷하다니? 의외로 처음에 잘 죽는다? 무슨 상관이 있어 잘하는 장점이. 미드였으면 참 게임 안에서 마사지 해드리는 건데 두들겨 드릴게요. 두들겨 패면 뭐예요? 철권하는 것도 아닌데 가서 철권이라 하라 그래요. 형 참 마음에 안 들죠? 그냥 진짜 너무 유치해서 집에 잘 보내는 것 같아요. 미드가 너무 소극적이라서 진영이가 지금 힘을 못 받고 있는 것 같아요. 아, 코코 선수 굉장히 이제 저돌적이시더라고요. 뭐 미드 대 미드 대결만 보면은 코코가 질 것 같지는 않거든요. 제가 랭크에서 코코 선수한테 트롤을 좀 많이 해서 저 좀 싫어하시는 것 같아요. 야, 그거 알고 있어? 트롤 많이 한 거? 아니. 선수보단 방송을 더 올리는 것 같아요. 코코 선수 저 마음에 안 들죠? 또 줄까? 그래도 깻몽이 먹여 살리지 않나. 아, 체이퍼 선수, 체이퍼 선수. 더 볼게요. 생각났어요. 어차피 제가 나오든 잭페 형이 나오든 이길 것 같기 때문에 스페이스와의 라인전은 되게 쉬울 것 같아요. 저도 똑같아요. 50보 100보인 것 같아요. 쓰레시나 이렇게 그랩류는 되게 위협적이잖아요. 최대한 안 쥐어주는 게 메라 선수를 견제할 수 있는 방법인 것 같아요. 잭페 그랩피아는 연습 많이 해왔으면 좋겠어요. 복수하고 싶은데요. 한 번은 당해도 두 번은 당하지 않거든요. 알고도 당한 게 제일 블리츠인데 어떻게 막아야지 좀 궁금하네요. 오랜만에 4순위권 많이 들어왔는데 기회라고 생각해요. 이번에 우승을 목표로 달려보겠습니다. 저희 장기전에 지치신 분 요즘 좀 많으신 것 같은데 이번에 빨리 끝내드리겠습니다. 지금은 그냥 딱 여기까지 올라오면은 많이 올라온 거라 생각해요. 꼭 이기겠다는 마음가짐으로 준비하겠습니다. 지메오와 CJ가 신 라이벌이라는 얘기가 많이 나오고 있는데 라이벌 관계가 될 수 없다는 것을 보여드리겠습니다. Le trash talk est réel entre les deux équipes, mais comme d'habitude, quel plaisir. Incroyable, tellement de hype dans cette présentation, ils s'en balancent plein la gueule. Bon, Mad Life qui est la menace. Mad Life, effectivement, qui avec son biscan qui avait été incroyable. Tous les personnages agrabes, on sait que le joueur exprime son plein potentiel sur ce type de champion. Et justement, on a la présentation de cette line-up. CJ Entus avec Shy au top. Énorme joueur de Rumble, mais pas que. Kennen, Jax, Sion. On sait qu'également, il évolue tranquillement sur Ekari, mais sur Maokai. C'est un joueur qui est de plus en plus complet, Shy, et qui réussit à s'adapter à la méta, dans tous les cas. Alors, ambition, ils en parlaient beaucoup. Somme Nunu. Dans le sujet. Beaucoup de Nunu, ouais, c'est vrai, il est arrivé dans cette première partie de saison avec un changement de rôle puisqu'il évolue dans la jungle maintenant au lieu du mid. Il a évolué quand même au mid pendant trois saisons, oui. Je dirais. Donc voilà, et c'était une superstar à ce poste. Et honnêtement, son évolution dans la jungle est de plus en plus convaincante. Je trouve que c'est un excellent joueur désormais. Alors, Coco au mid, eh bien, sans doute le joueur le plus doué et régulier mécaniquement de l'équipe. Mais attention, Coco qui a affaire à Gang by Mom au mid. Et il joue pas mal de Shogat, noir récemment, du Vladimir également. Alors, on peut voir également son récent pick Malzahar. Space, ça va être important, hein. Space contre Pilot ou Captain Jack. Ça va être un match très intense. Space est capable de grosses variations, il est capable de très bons comme de très très mauvais. Parfois des grosses erreurs de positionnement en teamfight pour Space qui peuvent amener à la sanction. Donc ça va être intéressant de voir justement, beaucoup va se jouer sur ces duo lane, notamment avec voilà, Mad Life, le partenaire de Space. Que vont-ils faire? Ils ont dit dans les présentations qu'ils allaient sûrement le counter ban. Notamment tous les persos à hook, Thresh, Nautilus, Blitzcrank, bah regardez, les trois. Bah voilà. Même si je trouve beaucoup moins. Enfin voilà, Nautilus pour moi c'est pas. Bon, bien sûr ça fait des hooks, mais. Ça fait pas autant de plays qu'un Thresh ou qu'un Blitz. Ouais. Non, clairement. Tu peux pas être aussi game breaker, même si un bon ulti qui traverse un teamfight c'est toujours quelque chose de très sympathique.
On va voir ce que va prendre Mad Life. Voilà, au pire, il y aura toujours Nautilus en valeur refuge. God Mad Life, 400 MVP points pour un support, c'est énorme. Remonté sur le devant de la scène. Et ouais, c'est lui qui disait, il considère qu'il est revenu à son niveau d'antan. Alors, sur certaines games, oui, on retrouve quand même le Mad Life qui nous faisait rêver, mais moins qu'avant quand même, je trouve. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus convaincant déjà que la saison passée. Donc il y a un vrai retour en force de Mad Life sur cette fin de split notamment. Et de côté, les Jean Air, un peu les underdogs, hein, les gens voient plus CG passer, mais quoi qu'il en soit... Bah parce que CG a été plus fort récemment. Exactement, Jean Air a une baisse de performance. Après, il y a des gens qui disent CG était plus fort récemment, donc c'est leur tour d'avoir leur baisse de régime. C'est vrai que ce sont deux équipes qui sont assez inconstantes et c'est dur à chaque fois de prévoir quelle va être la performance qu'elles vont offrir. Jean Air, Green Wings, une grande famille. Beaucoup de joueurs et l'équipe n'hésite pas à faire de remplacements, notamment au poste du carré AD. Oui, entre Pilot et Jack. Et d'ailleurs, c'est Pilot qui évoluera pour cette game. Avec Shay en support, pareil, parfois ça change un petit peu. Ouais, il y a XD également qui peut jouer support dans cette équipe. Alors, Trace au top, lui par contre, les joueurs qui se demandent, la LPL se passe en même temps que la LCK, vu qu'on a fait toute la semaine de la LPL, on s'est dit, là aujourd'hui, on fait la LCK, et ce soir de 20h à, on va dire, minuit, il y aura la LPL. Ouais, bah surtout que, parfois la, enfin comment dire... Les clean feed coréens, chinois... Chinois, il y a parfois quelques problèmes donc, quelques lags, quelques pauses techniques, donc tant qu'à faire, l'OGN c'est toujours, LCK c'est toujours vraiment réglé, comme du papier à musique. C'est ça, exactement. Chaser dans la jungle, non. Le duel a été fortement mis en avant pendant la vidéo de présentation. Jarvan Rek'Sai, 500 MVP points, un joueur qui est vraiment déterminant dans les grosses games des Jean Air Green Wings. Et Gangbaemom, le joueur de Xerath, numéro 1 sans doute en Corée. 9 Xerath et peut-être, sa saison. Peut-être dans le monde. Ouais, 9 Xerath, donc c'est le perso qui a le plus pick. Le deuxième perso c'est Ahri pour Gangbaemom avec 6 picks Ahri. Et c'était plus sur le début de la saison avant les nerfs. On jouera d'ailleurs sur le 5.6 avec Victor de Disable. Et Gangbaemom, bon, qui effectivement est parfois considéré comme étant un joueur trop passif, mais en même temps, lui aussi surfe sur la vague de l'imprévisibilité, étant donné qu'il a pu tuer Faker en 1v1 déjà pendant cette saison. Donc oui, un joueur passif, mais un joueur qui peut tuer God Demon Killer. Ce qui est rassurant pour ces deux équipes, Jean Air et CG, c'est que généralement, elles ont fait des matchs pas mauvais contre les équipes du top du classement, bon, sauf Jean Air qui a volé quelques games. Et Jean Air, leur problème c'est qu'ils ont perdu contre des équipes considérées comme plus faibles, mais contre les équipes du top du classement ils ont fait des matchs pas mauvais. Après voilà, le problème c'est qu'en demi-finale, au round 2, il y a SKT T1 qui attend son adversaire, et pour le coup ils sont sacrément en forme. Je pense qu'actuellement c'est peut-être ceux qui vont gagner les LCK. Actuellement c'est la meilleure équipe de Corée. Enfin, si tu prends les récentes performances et résultats, oui, je pense que c'est indubitable. Bien sûr, les G Tigers vont être un gros morceau en grande finale. Chey, un enjeu pour la Janna, parce que Chey, c'est 16 Janna sur la saison. C'est énorme. 16 Janna, son deuxième support, c'est Annie avec 7 Annie. Donc vraiment récemment, il a spammé, enfin depuis le début de la saison, il a spammé Janna. Et G Green Wings, on vous rappelle qu'ils ont fini 4e de cette saison de LCK. C'est Gentus qui ont échoué à la 3e place. Et donc pour ces équipes, voilà, il est temps de savoir qui aura le droit d'affronter les SKT T1, équipe championne du monde saison 3, on vous le rappelle, même si c'était les Kay à l'époque. Match point. Alors, 62,5% de win donc pour les CG Gentus cette saison. J'essaie toujours de comprendre exactement ce que ça veut dire à chaque fois. J'ai 15 spring. Ouais. Donc en fait, je comprends pas leur deuxième truc. C'est peut-être le match contre l'ennemi. Faut non, mais non, c'est mais non, cette win, cette lose. Nombre de barons et de dragons. Ouf.
beaucoup de nageoires quand même de la part des GR Green Wings. Hein. Par contre, plus de dragons pour les Sylgentus. 4,5 noix en moyenne. Ça me paraît beaucoup. Ça paraît bizarre. Je pense que je lis mal les trucs de façon générale. Par contre, ah oui, ça c'est un truc, GR Green Wings. Il propose des games assez longues en général. Alors ça, c'était pendant le round 1. Le round 2 donc de la saison, c'est un peu moins long quand même. Il gagne quasiment 10 minutes, hein. C'est pas rien. Et c'est Gentus qui finit quasiment en 30 minutes en moyenne, ces games. Très bien. Ah, toutes ces stats. Beaucoup trop de statistiques. You are not prepared. Tout deep. KDA général, ouais d'accord. KDA plus élevé quand même chez CGN Tuis hein, pendant le second round de la saison. Oui parce que voilà les Coréens divisent leur split en deux rounds. J'ai vraiment l'impression d'être en train de faire décoller un vaisseau spatial. Un peu ça ouais. Ouais, donc CGN Tuis effectivement qui a qui ça, est actuellement dans une excellente période. Avec enfin tout simplement ils vivent un très bon round 2, on l'a vu de façon générale hein. Leur victoire il y en a plus noix, leur KDA est quand même assez élevé pour cette deuxième partie de saison. Pour les GR Green Wings c'est un peu la pente descendante, mais nul doute que cette équipe a su se préparer de la meilleure des façons pour ce BO5 qui garde le traditionnel blind pick en cinquième match, si jamais, si d'aventure, nous avons un cinquième match qui est disputé entre les deux équipes. Et les Colts sont rentrés dans les boosts, là, on se prépare. On se prépare donc à envoyer la sauce dans cette phase de draft que vont nous réserver les deux équipes. Donc on l'avait dit, hein. Alors... Au niveau de la top lane, il y a beaucoup d'enjeux. Tout ce qui est Rumble et Karim. Dans la jungle également, les picks ont été envoyés pendant le petit documentaire de Chauff. Entre Ambition et Chaser, il y a un très très beau match qui va être joué. Alors Rek'Sai ban. Là, le blanc de Coco qui est ban. Est-ce que les Gentus vont laisser le Xerath de Gang by Mom? Je suis pas sûr que Xerath soit le meilleur champion qui soit dans la méta actuelle. On va avoir le droit à un ban anti-Mad Life. Il ban le Gnar de Trace et la Kalista de Pilot. Et le Vladimir, donc beaucoup de ban mid lane hein, de la part de GR Green Wings. Et il décide de ban le Urgot également de Space. Donc alors, là, il y a Ekarim d'Open, il y a Rumble d'Open. C'est un gros joueur de Maokai, Shai. Également. Et il décide de pick le Xerath de Gang by Mom. Donc voilà, on a notre réponse. Les Sylgentus qui n'avaient pas laissé le Xerath open pour rien. Très bien. Pourquoi pas, plus un Nunu. Ah, bon, ok. Alors, ça me semble plus logique. Sincèrement, je ne suis pas un grand fan de Xerath dans la méta actuelle. Ouais. Pour moi, c'est pas un champion qui tue bien des tanks. Comparé à un Vladimir, par exemple, noir ou... Et c'est pas non plus un champion qui snowball extrêmement bien le mid-game sur les objectifs. Bien que ça dépende des parties, bien entendu, hein, mais c'est moins fort qu'une Leblanc, je trouve, à ce niveau-là. Donc voilà, ça déforce Xerath, mais je trouve que dans la méta actuelle, qui est quand même assez tanky, c'est pas le meilleur champion qu'il y ait. Oh, Lulu Thresh annoncerait une grosse compo à décentrique. Hein. Genre peut-être de la Jinx pour Pilot. Donc Ambition qui continue, hein, c'est ça, sur ses 6 dernières games, c'est son 5ème pick Nunu noir. C'est dire à quel point le joueur monopolise le pick actuellement. Donc, la Lulu, top ou mid pour les GR Green Wings? Ou support, éventuellement. Ah non, j'ai rien dit, on a un Thresh. Donc pas de Thresh pour Mad Life. Il lui reste Blitzcrank, après je pense qu'il a tendance à pick Blitzcrank quand l'équipe adverse a peu de mobilité ou de survivabilité. Morgana, rajoute, franchement, voilà, bon là on est parti vraiment pour AD centrique contre AD centrique. Rajouter là-dedans un gros Maokai pour faire une belle front lane. Derrière, je sais pas, du Kog, de la Jinx, de la Tristana, un petit truc comme ça. Ou le Space. Rumble hein, pour empêcher, pour zoner le carry AD adverse, ça peut être intéressant également pour les CG. Alors qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Une petite Cassiopeia
pour la mid lane et pour Coco. Une composition qui n'a pas joué de la saison d'ailleurs. Ouais, non, c'est son premier pick Cassiopeia pour Coco. Petite nouveauté donc du côté des Sylgientus. Allez, bam, la front lane arrive, ce sera nul humide. Avec Sejuani, Shyvana. Gros. Ouais, Jhinner qui est parti dans la méta là, clairement. Mais une Jinx, alors il faut forcément un hyper carry vu la composition des Jhinner in Wings. Avec un Thresh, une Lulu. Ouais, tu vas pas prendre un Graves ou un Corki. Donc une Jinx, ça semble parfaitement adapté à la situation. Donc pour ceux qui demanderaient, qui viennent d'arriver, nous commentons la LPL ce soir. Oui. Donc en différé. Pourquoi? Ben parce que on a commenté la LPL déjà tout le début de la semaine et le stream qui nous a envoyé est plus clean de la part de la Corée. Donc c'est un peu mieux pour commenter en live. Voilà. Alors côté Sylgientus, bon, il faut un carry AD quand même. Le Kog'Maw, ou le petit Kog'Maw Cassiopeia des familles, protégé par une Morgana, un Nunu et un petit Bruiser capable de speed push et d'engage avec le Karim et d'aller chercher une Jinx, surtout, c'est super important. Deux compos dans l'air du temps de la Corée. Elle est bien la composition Sylgientus quand même, j'aime beaucoup. Les deux sont bien, les deux sont excellentes, avec un hard carry extrêmement bien protégé, des front lanes vraiment vénères. Enfin, il n'y a pas de fausse touche dans aucune des deux compos. On a l'impression que tous les pics essentiels ont été débloqués. J'ai une petite préférence pour la composition de Sylgientus, peut-être. Parce que je trouve que Karim est un champion qui est plus capable d'aller chercher un carry que Shyvana. Même si Shyvana, c'est fort. Et Karim est un peu plus capable, je trouve, d'aller sortir un carry en solo. Smite TP au top. Ouais. Kog'Maw, pour moi, c'est un peu plus un tueur de tank que Jinx. Même si, attention, Jinx, c'est très fort. Et ça a quand même beaucoup de capacités également. Moi je préfère le Nunu avec le Kog. Bah, je trouve que en plus même en late, une Cassio contre une Lulu, Cassio ça fait 10. En late, l'équipe, je pense, de CG a plus de dégâts à cause de cette Cassio. Elle a plus de dégâts tout simplement l'équipe Sylgientus. On connaît Cassio contre Lulu, Cassio elle est safe sur la lane, elle peut hard push, hard farm. Et puis Cassio c'est un champion qui counter engage superbement bien. C'est-à-dire que là elle génère avec une Shyvana et une Sejuani, ils vont tenter sans doute de all-in par moment. Et Cassiopeia avec son ulti est un champion qui coupe superbement bien toutes les tentatives d'engage. Donc je pense que Sylgientus ça a peut-être une plus grosse équipe en late game, et JR Renwings par contre est peut-être un peu plus fort en mid. Alors on est sur le 5.6 avec Victor non pickable. Pour ceux qui demanderaient. Et on est bientôt parti dans cette première game de LCK. Alors, c'est parti. Avec Shy au top, avec son Ikarim. Alors, comment vont jouer ces deux solo laners? Ça va vraiment être intéressant de voir comment vont influer ces deux smites. On va voir la différence entre le red et le blue side avec le smite. C'est pas souvent qu'on a ce genre de duel. Pendant qu'on a l'invade de space avec une petite thermodite en first prise par la Morgana. On va push. On va push à la bot lane pour les CG. La couleur est annoncée. Alors, pas de swap lane apparemment de la part de ces deux équipes. Pas pour l'instant. Non, on va voir quoi que je dis ça et Pilot et Gang by Mom, donc, qui vient de se diriger vers la top lane. Tandis que Shay également a effectué un TP back et revient vers le mid. Pilot et Shay qui se mettent en situation au mid-noix pour soit aller vers la top lane. Alors, attendez, Gang by Mom qui va top. Et où on va nous mettre la duo lane au mid du côté de Jhinner Green Wings pour tenter de deny la Cassiopeia. Sachant que c'est vrai que je pense qu'ils n'auraient pas pu gêner en 2v2 le Kog'Maw. Donc ils vont essayer de gêner l'évolution de la Cassiopeia, Ouais, au pire, ils peuvent refuser le swap au bout d'un moment. Elle a eu l'information, elle peut vraiment push assez rapidement. Essayer de bouger un petit peu avec l'aide du jungler. On va voir pour l'instant le Ekarim qui est parti au niveau des Corbin.
Et on va avoir une Shivana en 2v1. Oh, Gang Bae Mom, il est parti pour push. Hein. On s'attend à. Voilà. On sait très bien que Shai a start. Oh, regardez, c'est intéressant ce qu'ils nous font les Junior Green Wings. Shai qui d'ores et déjà s'emploie dans cette early game pour tenter de gêner les CG Entus. Les Junior qui ont promis dans leur interview, enfin dans le petit docu-show d'avant-match, de faire en sorte que les games aillent plus vite que sur l'ensemble de leur saison et de stomp les CG Entus noirs. On va voir. Est-ce que Akena, on peut augmenter un peu le contraste, les couleurs, le stream est un peu sombre, un peu terne en ce beau vendredi. On est vendredi, oui, c'est ça, beau vendredi ensoleillé. Gang Bae Mom qui a directement push énormément au top pour essayer de mettre sous pression la lane de Shai. Trace qui vient de poser une ward au niveau du dragon. On veut contrôler l'objectif, on ne sait jamais. Un Nunu, ça fait quand même des dragons en sneaky très tôt dans la partie. Et Shai noir, grâce à sa présence sur la mid lane, eh bien, va apporter beaucoup de map control. Ça peut compter ça. On le sait que les deux junglers vont être très très importants. Et Ambition avec son Nunu a de grosses capacités de counter et de mobilité. Et du coup, on va avoir un maximum d'informations du côté Engineer Green Wings pour anticiper les mouvements, pour être au rendez-vous et pour opposer un jeu de rotation solide au CG Entus. Coco sous pression, hein, forcément, face à deux joueurs en face qui n'hésitent pas à push très très vite. Ça spamme bien, il arrive bien à farm, il est pas loin derrière cette Lulu. Soit il a un petit peu deny, mais du coup il doit consommer beaucoup de mana. Il risque à un moment quand même d'arriver au bout. Regardez, il est déjà moins de 1000 mana Coco, donc c'est bien ce qu'ils font les JR Green Wings. Ils vont peut-être forcer un back très tôt de la Cassiopeia, ou alors forcer la Morgana à bouger. Ouais, voilà, il y a Madlife qui fait des petits allers-retours, qui vient mettre un petit peu de pression. Space qui essaie de freeze. Ah, mais c'est compliqué, c'est compliqué parce que Trace mettait la pression avec sa Shyvana. Ah, c'est dommage, mais bon, c'est pareil, il va réussir à farm un peu sous cette tour. Et pour l'instant, le swap de lane des Jiner est intéressant, ça a l'air de plutôt porter ses fruits. Sauf pour la pauvre Shyvana qui se retrouve face à un Kog'Maw, voilà, le tueur de tank. Et sinon, alors, les teamfights au dragon d'early mid-game, Chips. Oh, ben, ça dépend complètement de l'engage et du niveau de stuff des champions pour moi. Encore une fois, Cassio, c'est super. Contre Shyvana, c'est Juani, ça peut être excellent pour couper leur engage. Et Karim, voilà, s'il a un peu de stuff, il peut tuer la Jinx, mais s'il en a pas assez, ça suffira pas. Enfin, je dis un peu, il lui en faudra pas mal quand même, je pense, parce que contre un Thresh, une Lulu, si les deux vraiment mettent tout en place pour que la Jinx vive, ce sera pas facile pour le Karim. Le peel risque d'être très important. Ça dépendra complètement de la configuration des teamfights pour moi. Les deux équipes ont pas mal d'atouts. Lulu est intéressante en dégâts en mid-game. Bien qu'elle se fasse totalement out scale au bout d'un moment par Cassiopeia, mais à 15 minutes de jeu, ça se tient une Lulu. Enfin, voilà, dans les, on va dire les jusqu'à 15-20 minutes de jeu, ça se tient. Là, Lulu devrait arriver à remplir son rôle et Coco sera encore un petit peu sous stuff, ou on n'aura pas eu le temps non plus de complètement stack. Il est sous pression Coco, hein, vraiment. Regardez, c'est excellent le boulot de deny que font les JR Green Wings. Le fait de push en permanence sur la mid lane donne un écart de CS qui est très intéressant face à la Lulu qui n'a aucun problème à farm par rapport à ceux qui arrivent. Par contre, là où le bas blesse, c'est la Shyvana qui en 1v1 galère énormément, noix. Donc JR Green Wings choisit d'essayer de deny vraiment Coco. Ils y arrivent, mais à côté de ça, ils sacrifient quand même pas mal de farm pour cette Shyvana qui galère dans son match-up. Le truc, c'est que Coco, 1v1 contre une Shyvana, elle peut pas l'approcher, sinon elle va se prendre la coulée de bave, elle va se faire... Avant le 6, tu peux pas. Avant le niveau 6. Et chaque hit sous le Z, sous le barrage bleu arcanique, fait énormément de dégâts à son énorme pool de points de vie naturel. Mais c'est pour ça aussi qu'ils l'ont mis bot, hein, la Shyvana, pour qu'elle dispose de son gromp juste à côté, puisqu'elle a le smite. Donc on essaie de rentabiliser au maximum le perso, mais c'est vrai que sur la lane, on a quelques problèmes, enfin, là, quand c'est même. Dur, hein, c'est dur, regarde le farm du Ekarim, qui ne se soucie absolument pas de lui, bah, ça sustain tellement Ekarim, en plus il est parti bottle. Bah, économiquement, les JR Green Wings, je sais pas s'ils font la bonne opération là-dessus. Il faut voir, parce que bon, après, ils ne perdent pas le contrôle du dragon, ce qui est important, puisque leur duo lane est au mid, finalement. Et Madlife, la petite rotation peut-être, grâce au boost de mobilité du Carapateur. Chaser qui arrive, niveau 5, Madlife qui met une cage sur Chaser. Shai est en backup juste derrière, et on refresh le map control, on ne laisse rien au hasard, on n'a pas envie de laisser le Nunu nous surprendre au niveau d'un premier sneaky dragon. Oui, ce qui arrive assez souvent vers les 4, 5, 6 minutes de jeu. Ce serait rapide avec un décalage, sachant qu'en plus on a remis la duo lane complètement. Il y a toujours Madlife qui est en train de faire des allers-retours, mais on a la duo lane
en bas. Donc vraiment, ce dragon peut être fait de n'importe quel moment. Pareil, une Cassio, ça fait beaucoup de dégâts sur une mono-cible, sur un dragon qui est statique. Donc on pourrait essayer de faire un petit quelque chose et on prend bien la vision. Bah voilà, ça y est, c'est fait. Le Nunu, c'est quasiment imparable comme premier Rally Dragon. Ça va quasiment toujours au Nunu. Ils ont un sweeper, ouais, c'est Madlev qui a utilisé son sweeper sur la ward des GR Green Wings. Il venait d'en poser une. C'est Chaser hein, qui l'avait. Ah non, il vient d'en reposer une là. Attention, ambition qui est prêt à partir. La Shyvana. Et il a anticipé Madlife, il a anticipé le jump de Trace avec sa cage au cas où pour sauver son Nunu. Et Trace n'ira pas. Space qui a fait son bac, qui va reprendre sa ligne. Oh, Trace, il est parti pour la POC, cette Shyvana. Ah, il est connu Madlife. Hein. Il est connu Madlife pour, grâce à ses skill shots, anticiper tout ce qui est dash, déplacement Flash. Adverse. Et à chaque fois, il y a quelques moves qui sont absolument épiques de sa part. Ou 13 qui prend quand même quelques dégâts là. Il y a brillance, il n'a pas choisi de prendre le phage. Il n'a pas choisi de prendre une lame d'Averis ou quoi que ce soit. Bon, bien que ça se fasse pas sur Kog'Maw, il a choisi de deny Trace encore plus. Trace qui est tellement derrière en termes de farm. Ouais, c'est dur pour lui, mais Shyvana est un personnage solide qui a de gros atouts en termes de tankiness et de dégâts naturellement, bien que disposant de peu de dégâts. Et puis il a son smite noir pour compenser, pour aller chercher un peu de farm dans la jungle. Donc voilà, Trace, c'est bien souvent la garantie solidité de cette équipe GNR Green Wings. Je pense qu'il est capable de surmonter cette early game un peu compliquée. On a un petit invade de la part des GNR là, qui sont allés poser quelques wards, mais tout de suite c'est contrôlé. Les sweepers qui sont déjà énormément utilisés dans la game noire, on les fait chauffer là pour faire parler ses arguments dans la bataille du map contre les Coco, sécurise le blue buff, voilà. Ça va lui permettre de tenir face au push infernal des GNR Green Wings au mid. Oui, enfin, c'est bon, mais à partir de ce moment-là, je pense vraiment qu'il pourrait y arriver. C'est une Cassio. Et on regarde Shy. Il y a un Shy. Il y a lui en train de lui taper dessus. Il n'en a cure. Il est parti sur des Boots de Mercure en first. Donc encore plus de résistance, encore moins de dégâts de la part de cette Lulu. Et voilà, il arrive à farmer à distance. Bombe nocive. Ce sera sécurisé. Les miasmes également qui sont positionnés. Ouais. Il ne s'approche pas à la tour. Tant qu'il a le blue buff, Coco. Et en plus, il est sur une phase de blue buff où il a l'alarme. Donc là, s'il utilise au maximum vraiment ses spells, il va se construire un joli pool de mana. Et ça va lui permettre, même à la fin de son blue buff, normalement, d'être assez à l'aise sur sa lane. Oui, et en plus, voilà, c'est une Cassio, c'est-à-dire que c'est pas comme si elle bouffait énormément de mana. Il y a l'alarme maintenant. Il suffit que le Nunu vienne mettre un zéro absolu pour dépoucher une vague de creep. Tu fais ta rotation, tu reviens, tu es tranquille. Elle est un peu derrière au farm, cette Cassio, mais à 10 creep près. Donc c'est quasiment rien. Non, ça va, ça se tient vraiment. Et surtout, je sais pas si ce swap il est vraiment, vraiment, vraiment efficace. Parce qu'elle arrive à stack, elle arrive à farm, elle arrive à protéger sa tour. Après, on donne à Jinx une lane facile avec une lame d'Avaris qui peut lui permettre de spike peut-être un peu plus tôt dans la game. Et peut-être de venir décaler sur des camps de loups, des camps de fantômes. Et là, le problème quand même, c'est que Nunu est arrivé. Qu'est-ce que c'est fort Nunu pour apporter un push rapide sur les tours? En mission qui a sécurisé le gros plat, et tandis que les GR Green Wings, on a une rotation de la part de Shay, on avait également Chaser du côté du top, on va aller prendre cette tour. Je pense que le push agressif des CG au bot a mis la puce à l'oreille aux GR Green Wings là, qui décide d'aller agresser cette T1 au top. Et là le problème c'est que le Karim se dit je vais revenir un peu, Shay, oui mais cette Sejuani attendait son heure. Et il arrive, Chaser, on va sécuriser cette T1. Une tour partout dans la game noire. Petit avantage de gold pour les CG Entus, notamment cette top lane, je pense qu'ils jouent. Énormément même. Il y a 85 creep à 38. C'est toute l'avance au gold. Bon, on vient de cette tour et vient de là. 2800 gold à 3300 sur la top lane. Donc plus de 500 gold d'écart de différence, c'est pas mal. C'est un cristal de rubis de différence. En termes de tankiness, en mid game, c'est des choses qui peuvent se ressentir sans un gold d'écart. Ah, Shyvana qui est parti sur son item jungle, donc smite rouge, un classique. Le Karim fera pareil, de toute façon. Et Coco qui farm maintenant, qui est revenu à niveau noir. Donc finalement, cette early swap aura fini d'avoir fait effet. Allez, effectivement, tu l'as dit, ça,
ça a mis bien la jinx, ça lui a permis d'être vraiment tranquille, parce que Kogmo sur la ligne c'est pas forcément un cadeau, Mad Life sur la ligne c'est pas forcément un cadeau, peut-être qu'ils avaient peur d'affronter la duo LNCG, je peux les comprendre, je pense qu'ils sont un petit peu meilleurs que sur la phase de laning, mais en termes de deny, pour le coup ça n'a absolument pas marché. Est-ce qu'ils s'y attendaient? Aucune idée. Mais là, il faut que maintenant cette Shyvana arrive à reprendre un peu du galon avant ce prochain dragon dans une minute. Et d'ailleurs, je sais même pas s'ils peuvent la défendre. Regardez le stuff de. Le stuff du Ekarim par rapport à celui de la Shyvana. Oh, non, ça va, parce qu'il a dépensé de l'argent dans une bottle. Ouais, il a pas fait son enchant. Enfin, ses boots de doux foyer. Et la Shyvana. Je sais pas, bon après il y a toujours ces 500 gold d'écart, on le sait, hein, donc le Karim est quand même au-dessus, mais effectivement, Shyvana, sous Ul, ça tanque quand même extrêmement bien, et le bon push à la part des GR Green Wing, c'est bien fait, ça aussi c'est la puissance de la duo lane Minnoi, ça permet de très vite prendre la T1 sur cette lane, T1 qui est extrêmement importante, étant donné le contrôle qu'elle apporte au niveau de la river et des entrées de la jungle. Effectivement, alors la cage de Mad Life qui ne se fera pas avoir, il va pouvoir mettre la dernière auto-attaque après le brouilleur. C'est bon, c'est un Nunu pour sécuriser le carapateur, Smite Voracité, c'est tranquille. Et pour l'instant, il avance pour les Jin R, le dragon qui va repop, Coco qui est déjà en train de tenter le zoning, d'essayer de garder ses wards en vie. Et j'attends ce que ça donnait. Après, vraiment, ces deux équipes à décentrie qui n'ont pas peur d'aller en late game, même si je pense que les Jinners devraient avoir un petit peu peur tout de même, quand même d'y arriver. Mais en tout cas, ils n'ont pas peur d'arriver jusqu'aux 25 minutes. Voilà. Et Jinner, Green Wings qui entame ce dragon. Space qui poke un peu. On prend de l'information. Le TP de la part du Ekarim de Shy. Noah, Shy qui se fait cesser instantanément. Il n'est pas très tanky encore. Shy, il escape grâce à son nul. Pendant ce temps-là, Shyvana a pris beaucoup de dégâts. Et le Nunu qui sécurise le dragon. Ambition, c'est bien joué. Tandis que Space prend le kill. Excellente opération des CGNTUS de dragon. Le First Blood en leur faveur. Et Shy qui a réussi à s'en tirer avec son Ekarim grâce à l'ulti. Ouais, il s'est pris la Mega Death Rocket après de Jinx qui a laissé vraiment extrêmement low life. Mais c'est pas grave, il a survécu et ils ont réussi à sniper Trace dans ce fight. C'était très bien fait, très bien engage. Ils ont bien tempo et avec un Nunu. En plus, il y a le double smite, c'est-à-dire que t'as le. Pour assurer, t'as un triple smite. Nunu, Ekarim plus la voracité. Pour sécuriser des buffs. C'est pour ça que Nunu est également énormément joué actuellement. En fait, c'est marrant parce que avant tu te basais sur un seul smite et maintenant c'est de la boulimie de smite. Je veux dire, tu joues plus à un smite, tu joues entre 2 à 3 smites dans tes games la compo à cause de Nunu. Nunu et Karim smite et avec et encore, support, le Chrome smite support. Quant à Shogat également, ça joue énormément parce que Shogat mid, c'est également un champion qui est incapable de finish. Et Karim smite TP, Nunu, Shogat et un petit support avec un smite aussi pour la bot lane. Ouais, bon, là je pense que c'est de l'overkill. Voilà, à mon avis, c'est un peu trop quand même. Oh, je sais pas. Hein. Allez, une T1 top en faveur de Space et des CGNTUS. Deux tours partout, deux dragons à 0, un kill à 0 pour les CG. Pour l'instant, ils mènent la game, Noah, des coéquipés de Mad Life. Et on vous rappelle, très récemment, ils ont battu les GR Green Wings 2-0 en LCK. Alors la tour qui va tomber au pilot, on désengage la lanterne, un petit glaçon qui va partir. C'est dommage là qu'ils se fassent avoir sur des petites rotations comme ça, parce qu'ils ont un bon temps de jeu. Ou Trace. Mad Life qui a mis l'ulti, Noah au corps à corps qui a surpris Trace. 0-2-0 pour cette Shyvana qui vit un très très mauvais début de game. On n'est pas loin du calvaire pour Trace. Ah, c'est dommage que Trace, vraiment, c'est pour moi, si je me souviens bien, de un héros que Trace jouait à la perfection, c'était sa Shyvana sur la saison précédente. Et là, il se fait un peu dégommer la face. Il a pris en plus le deal au mauvais moment parce que là, le Kog'Maw, il a sa Trinité, il a un pic de puissance. Kog'Maw Trinité à 15 minutes, c'est très fort. Il s'est pris l'ulti de Mad Life et forcément, c'est une Shyvana au smite. Elle a rien pour s'escape, elle avait pas d'ulti. C'était la mort plus la tour qui est prise, la tour T2 sur la top lane. Et Mad Life en plus qui joue très bien le coup parce qu'il met son ult au moment où Trace est à peu près mid life, il voit que Trace n'a pas du tout chargé son ulti. Donc il n'y a aucun moyen d'escape pour lui quand il se fait slow par les liens des chaînes spirituelles.
Donc vraiment, c'est super bon joué de la part de Mad Life. Hein. Ça donne un petit kill à Space, tranquillement, qui part directement sur un ceinturon de mercure noir. Très tôt dans la partie, quand même, le ceinturon de mercure, ouais, qui va lui servir effectivement. Bah, je pense notamment contre l'ultiste et Joanie ou contre les grabs de Shay. Mais directement dans la partie, on choisit pour Space de jouer la sécurité. Et une T1, encore une fois, ça y est, Noah, les CGNTUS ont pris la première ceinture de T1, Trace, en flanking. Attention, il ne faut pas se couper avec une Shyvana sans flash. Il essaie de lui couper la route, alors qui est le meilleur dans le duel pour l'instant. Il a eu peur, non, c'est Joanie. De Sejuani qui ne sera pas du tout suivi. Et regardez, Trace qui est en train de se faire dégommer dans son 1v1. Il ne peut pas tenir le Karim, il est obligé de battre en retraite. Et on va repartir dans une phase de siège. Bah forcément, il manque un des ultis majeurs de la compo de Jhinnerre pour mener ce teamfight à bien. Pourquoi cette ulti c'est Joanie alors qu'il n'y a pas eu de follow-up? On tente le grab, Coco, c'est parti bon, ça, de la part du trait, Shay, Shay qui va se faire un stand des pop dans la mêlée. La temporisation de Shay avec son Ikarim et on poke avec ce Kog'Maw. Et encore un kill hein, qui est pris là sur Pylon. Excellent go-in de la part de CGNTU sur la fin de la vie de la tour là. Enfin go-in, ils sont faits engage par Shay et son Thresh. Mais derrière, la réplique a été cinglante. Ils ont su contrôler la situation. Trace n'a même pas ulti, Noah, pour tenter de gêner CGNTU dans ce teamfight. Je ne comprends pas qu'il fallait ulti, là. Après, il était un peu en retrait. Il s'est fait tellement calmer, Shay. L'ulti, voilà, regardez, un Coco. Bah voilà, superbe. C'est énorme comme ulti pour counter-engage. Ça a vraiment stoppé les JR Green Wings. Avec la charge de Shay, en plus. Mettre la fille, mettre son ulti par-dessus. C'est très très très... Trace un peu en retrait qui a pas pu mettre d'ulti Shyvana. Là, CGNTU sont en train de consolider leur avant dans cette game avec un joli Sika Gold de plus sur leurs adversaires. On est à une minute du retour du troisième dragon potentiel pour eux. 6 tours à 3. Bon, ils sont lancés. Hein, ils sont lancés. Et regarde le stuff en deuxième item, une QSS pour Space. Ouais, ce que je disais tout à l'heure. Ah oui, autant pour moi. C'est très très early. Là, le Thresh pourra vraiment plus faire grand chose. Déjà, il fallait un grab. Ni là, c'est Joanie. Hein. Ni là, c'est Joanie. Donc, ouais, là, on a vraiment un Kog'Maw qui va évoluer tranquillement. En plus de ça, il a déjà Black Shield. Donc, je pense qu'il aurait pu se passer d'un ceinturon, étant donné la composition adverse et le fait qu'il ait une Shyvana dans son équipe. Plus une nuque qui lui apporte un boost de mobilité. Mais voilà. Disons que là, c'est le jeu de la sécurité. À tout prix, CGNTUS se positionne très bien pour remporter cette game. La Shyvana de Trace n'a toujours pas 100 creep noix. 75-16 à 19 minutes, c'est genre l'excellent farm d'un jungler. Regardez, les deux junglers ont le même farm que c'est la Shyvana. C'est très très dur. Il fait une game néant, Trace. Mais au niveau de tout, au niveau de son farming, au niveau de son match, bah forcément, quand il a essayé de défendre sa tour contre Space et Mad Life, ses engages, il n'y arrive pas. Bah, son 1v1, maintenant, dans le duel de flanking entre Shay et Trace, on a vu hein, à qui arriverait à prendre la position pour menacer le teamfight. Bah, il ne peut absolument pas tenir un Ikarim qui a 100 creeps de plus que lui, qui a tellement d'objectifs, qui a du buff dragon. Donc, non, Trace, il est passé au travers des mailles du filet. Et en parlant du dragon, Noah, voilà les CGNTUS qui mettent à profit leur énorme domination sur la map et leur grosse prise de tour. Les JR Green Wings n'ont plus vraiment le contrôle de leur jungle là, ou alors ils doivent s'engager dans un teamfight qui ne serait pas une valeur sûre pour eux, étant donné ce que propose les CGNTUS depuis le début de la partie. Et attention, la Megas Rocket, l'ambition prend pas mal de dégâts, c'est un Nunu. Il tank énormément, donc ça fait 3 dragons, Noah, en faveur des CGNTUS. Et finalement, Trace, est-ce qu'il va le récupérer? Oui, non, qu'est-ce c'est qu'il bon. Prend Non, c'est la Shyvana qui a pris. Et du coup, Shay va mettre l'ult là. Courant. Il y a un ulti pour Trace, il va aller le chercher. Et Shay qui va devoir claquer le sien pour suivre. Il y avait Coco juste derrière. Il aurait peut-être même pu le bait. Oh, attention, encore un ulti de la part de Mad Life. Ça va permettre à Space de placer son dégât tranquillement. Et encore un kill pour le Karyade. Et tous les kills de Space. C'est dingue, hein, c'est vraiment... On lui met les raisins dans la bouche, Noah. Exactement, c'est la béquée. On lui donne la béquée. Et encore, la cage, le flash out, le zap qui va essayer de passer sur Mad Life avec la charge. Oh, le contournement. Mais là, il n'a plus d'ulti, Shay, pour essayer de suivre. Ah, il n'a pas pu cesser vraiment ses adversaires. Mais c'est pas grave, parce qu'il les a fait reculer et qu'il y a toujours eh bien, cette avancée fantastique des CGNTUS qui ont, on ne l'a pas souligné, mais une excellente capacité de siège avec un Kog'Maw et une Cassiopeia, 5 kills à 0.
7 tours à 3 désormais. Avec Anunu pour Sancho le Kogmo. Bien sûr. Et avec un Black Shield pour que le Kogmo soit vraiment intouchable. Avec un 0 absolu pour Zoné. Non, non, la compo CG est extrêmement forte pour Zoné. Pour Zoné, pour siège, pour défendre, pour disengage, pour counter engage. C'est excellent. Et là, ils sont en train de complètement dominer avec 7 cagoles d'avance à 22 minutes de jeu. Et pour ceux qui se demanderaient, alors pourquoi les CGNTUS ne vont pas directement mid pour push? Bah, je pense qu'ils ne le font pas parce que GR Green Wings irait teamfight. Et à mon avis, si le GNTU savent qu'en allant chercher les T2 là comme ça et en jouant bien comme il faut sur les rotations, etc., ils ferment le jeu, ils s'assurent quelques goals d'avance qui leur permettront d'être sûr à 100% oui, de gagner le teamfight sur le fameux limiteur. La game, voilà, là ils sont dans une phase où la game est quasiment acquise. Mais sous réserve qu'ils jouent pendant 5 ou 10 minutes vraiment safe en faisant le boulot, ce qu'ils ont parfaitement fait. Il leur manque quelques goals de plus voilà pour vraiment s'assurer la domination totale. Maintenant ils peuvent commencer à bait on Ashore, à forcer le fight. Et puis c'est plus simple de prendre une tour en faisant du speed push de partout plutôt que de groupe à 5v5 mid et de tenter un fight où voilà, il y a quand même des risques. Même s'ils ont de l'avance, même s'ils ont montré qu'ils semblaient supérieurs sur cette game, ça comporte quelques risques. Voilà, il y a une Jinx pour des pushes, même si elle est toute... Enfin, il y a Jinx Lulu pour des pushes, tu passes en mode roquette, tu mets des Q avec Lulu. Ça dépouche plutôt pas mal. Donc, ils prennent pas le risque. Voilà, maintenant qu'ils ont tout déminé, ils vont pouvoir commencer à y aller. Le Zapkin ne passera pas. Et on a déjà préparé la ligne. Regardez le Ikari qui a la pour la Shyvana. Oh, bon, on a envie d'y aller. Ils vont juste prendre cette inhib avec le Kog. Regardez, le Kog sous Sancho et Black Shield. C'est le scénario qui est derrière en train de taper avec son Z. C'est bien ce qu'ils font là, CGNTU. Ils ont à peu près tout ratissé sur la map. Et là, une rotation de leur part au niveau du Nashor laisserait un peu les Jhin Air Green Wings dans l'embarras, je pense, Noah, parce qu'ils n'ont aucun map control, les Jhin Air. Regardez Shai qui se tient au milieu de la base des JR Green Wings tranquillement, Noah. Il ne bouge pas, il est prêt à flanquer au cas où. Tentative de cage et on va continuer. Sancho, Black Shield, le Z et on poke cette tour. Infernal Kogmo dans ces situations. C'est peut-être le seul truc un tout petit peu dommage, mais bon, ils ont tellement de marge maintenant pour mener cette agression. Puis il n'y a plus de ward là, ils le savent qu'il n'y a plus de ward dans leur dos, ou en tout cas bientôt il n'y en aura plus. Le grave sur Coco qui est obligé de flash out. Ambition instant, zéro absolu. On continue de poke la tour. Alors est-ce qu'ils pourront la finir? Il faut la prendre et disengage. Finalement la Jinx avec une petite roquette bien placée hein, qui finit la vague de sbire. Shai qui les engage. Oh, ils vont y retourner si je veux dire. Mais est-ce que ce ne serait pas la tentative du grid là? Ils vont y aller nature. Le grab sur ambition. Et finalement c'est pris de la part de Space. Il avait son barrage du arcanique. Est-ce qu'on engage pour Trace? Il est un peu loin avec sa Shyvana. Oh mon dieu, il va se faire plus Trace. Attention, la box. Ambition, ils ont tout mis en mission qui est dans la box. La cage avec l'arrivée de Shai par derrière, qui tempo, qui va mettre l'ulti en plein milieu de Shai, toi, c'est compliqué là. Qui va choper Jinx et encore un kill apporté à ce Kog sur un plateau facile. D'argent, le doublé du Kog. Facile, Space qui n'a qu'à auto-attaque. Tous les kills sont une facilité déconcertante. Alors, pour lui, c'est la game. Autant pour les CGNTU. Si les CG ne devaient pas se faire engager en leur base ou leur tour, autant le counter engage, il faut pas foncer dans le tac. Ça, c'est vraiment le genre de partie où tu peux marquer easy win en slash all à la fin, tellement ça a été simple pour les CGNTU. 8-0, c'est imperfect au niveau des kills. Il y a eu 3 ils ont perdu 3 tours. Voilà, 3 tours, mais 10 tours à 3, 8-0. C'est-à-dire qu'ils ont mené leur plan de jeu sans aucune résistance en face. Ils ont pris tous les dragons. Madlife qui a fait snowball son carry AD de la plus belle des façons. Quelques ultimes bien positionnés au moment où il savait que ses adversaires pouvaient pas lui échapper. Il a filé au moins 3 kills, mais vraiment, ulti, j'attends la fin de l'ulti, cage. Voilà, c'est bon. Mais et à chaque fois, à des moments où il savait que l'adversaire pouvait pas flash. Pas de Shyvana. Honnêtement, pas de renfort. Il a contrôlé la game Madlife d'une façon assez exceptionnelle. Ambition avec son Nunu a été présent comme il fallait sur les Nashor, Noah. C'est quand même, enfin sur les dragons, excusez-moi. C'est une super performance d'équipe de la part des CGNTUS. Ils ont contrôlé cette partie. Ouais, si j'avais un MVP, je pense que je mettrais Madlife quand même. Comme d'hab. Coco qui a superbement counter engage et qui a fait parler son pic sur la T2 du mid. Il a tenu. Au seul moment vraiment où les CGNTU sont tentés un all-in, honnêtement, game mené de main de maître.
de la part des CG. Et JR Greenwing, ça a des soucis à se faire parce que c'est dans la lignée du BO3 qu'il y a déjà eu récemment entre les deux équipes, où CG Entwist s'était imposé assez facilement. Là, 25 minutes, ça fait mal. C'est un BO5, on vous le rappelle. Et si d'aventure il y a 5 games, ce sera un blind pick pour la 5ème à l'ancienne. Au vu de la première game, après voilà, rien n'est dit, hein, Engineer, ils sont capables de se relever tout d'un coup et donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais après cette première game, on se dit tout de même que ça va être dur même d'éviter le 3-0 pour les Gen R. Là, les CG sont en forme, hein, ils sont vraiment vraiment en forme. Mad Life, il envoie du steak. C'est... Et côté Gen R et Noix, il faut réagir là. Il faut essayer de proposer quelque chose de plus consistant dans ce BO5. Bon, les équipes qui sont en train de faire leur briefing d'après-match, ça discute beaucoup hein, du côté des JR Green Wings. Nous, on va partir pour une petite page de publicité et on se rejoint dans 10 minutes. A tout de suite. Et on est de retour pour ce deuxième match de ce BO5. Il y a aussi le match de l'LPL hein, qui se déroule en même temps. Ne nous spoilons pas, ne regardons pas les résultats, ne retweetons pas les résultats. Surtout pas. Et découvrons ce soir cela en différé. Avec ce sera toi et Ellie. Ouais, je crois que je suis monté avec Ellie ce soir. Ellie qui reprend le stream juste après l'LCK. Du coup, deuxième match entre CG et Jin Air. Bon, l'avion de Jin Air qui est en train gentiment de perdre de l'altitude, Chips. Ouais, c'est vrai, on a pu voir sur la partie précédente, c'était pas convaincant. Ils n'ont pas proposé grand chose. Un Swaplane qui a mis bien la Jinx, mais qui a mis tellement au fond Trace qu'on peut vraiment douter de la perspicacité de la chose. Et Space du coup, a été mis MVP. Hein. Space MVP ouais. C'est un peu dur pour Mad Life, je trouve. Bah disons, pour Space, tout a été facile en fait dans cette game. Attention, hein, il a bien joué, mais tout a été vraiment facile, je pense. Donc, je sais pas, moi j'aurais mis Mad Life quand même pour l'ensemble de son œuvre dans cette partie. Mais bon, après, c'est pas très grave, on va pas se battre pour des MVP points. C'est 100 premiers MVP points à Space. Bah ouais ? Ouais. D'accord. Encore une fois, tu vois, je les aurais donnés à Mad Life. Donc, pour moi, quand Space fait une grosse game, c'est que Mad Life fait une grosse game. C'est que Mad Life a été. Bon, je suis entièrement d'accord. Donc, côté de Jin Air, on a ban de nouveau deux picks très. Deux picks hyper joués au mid de la part de Coco, et Vladimir et Leblanc, et le coq donc de Space, qui a été très bien utilisé par les CG Entus. On ne laisse pas le Nunu à Chaser. Du coup, ça laisse en jungle Gragas. Gragas, il n'a pas été joué à la partie d'avant, qui n'a pas été ban non plus, alors que Gragas, c'est vraiment peut-être le must pick de la jungle actuelle. C'est Juaniet Open également. C'est vrai qu'Ambition n'a pas joué de Gragas cette saison, ainsi que Chaser. C'est deux équipes qui ne jouent pas Gragas. Après, c'est assez récent, hein, les Gragas quand même. C'est le dernier patch et ils viennent de passer à ce patch-là, il me semble, en Corée. Ou alors, ils jouaient sur 5.6 Sur la fin de saison, et c'est sur le 5.6. Ouais. Le 5.6, je pense, sera utilisé jusqu'à la fin des playoffs. Bah voilà, on en parlait, regarde. Un Gragas potentiellement pour les CG, donc. Alors, il y a un Ryze qui a été joué hier. Oui. Et ça pas du tout marché, c'est Ryze contre Karthus. C'est les Kings qui ont joué. Non, c'est Snake. Kings, c'est Snake qui. Snake a joué le Ryze. Snake a joué le Ryze, mais en fait, le problème c'est qu'il jouait contre un Karthus. Déjà que le match-up est pas facile, mais le Karthus est parti à 2-0 et est arrivé sur sa ligne avec une tire. Voilà. Forcément, c'est compliqué. Beaucoup de Vayne dans le BO5 d'hier en LPL. Bah, il a joué 5 fois Vayne, la décarry de la Team King. Et c'est un monstre hein, sur Vayne. Hein. C'est vraiment, il est vraiment, vraiment, vraiment bon sur Vayne. Il a essayé de porter toute son équipe, mais malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Alors, Cassiopeia a été pick, donc du côté de JR Green Wings en premier. Et donc, côté CG Entus, on partirait sur Gragas Nautilus. Donc, énormément de contrôle déjà avec ces deux champions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contrôles noirs avec ces deux champions. Est-ce que tu imagines la claque potentielle? C'est pas mal du tout. Et Gragas, il a un slow, son ulti et son body slam. Et Otius a 4 CC. Donc 7 contrôles quand même massifs hein, côté CG Entus. Et ça va être intéressant justement contre une Cassiopeia qui est un champion qui peut être sensible au CC.
Justement, hein, contre l'ensemble de CCC. Pour l'ensemble de leur œuvre, les Sylgiantus auront droit à une Morgana avec Black Shield parce que trop de contrôle, ben voilà, on n'en a pas envie. Côté de Ginyar Green Wings, donc la Morgana va être pick. Très bon choix, je pense, là. Surtout que Sylgiantus n'a pas l'air de s'arrêter en si bon chemin. Plus de contrôle avec ce Maokai. Mouar. Est-ce qu'ils vont vraiment jouer Maokai? Qu'est-ce qu'ils vont jouer au Cariadé? Attends, parce qu'il n'y a pas de Kog'Maw, il n'y a pas de Kalista. Ils jouent quoi en hyper carry à part ça les... Space? Ouais, bah pas grand chose. Tristana. Sivir. Ouais, pour moi c'est pas un hyper carry. C'est pas un hyper carry, c'est un compromis. C'est un compromis. Il y a Trist sinon. Attends, il faut voir. Mais il l'a pas. Si, il a joué deux fois pendant la saison. Ou alors il décide de jouer une grosse équipe mid-game. Mais. Alors, et Karim? Bon, là ils ont beaucoup de dégâts par contre, Noah. Et il continue sur une équipe qui dispose de pas mal de contrôle également. Oh, elle est bien la composition Sylgiantus, hein, j'aime bien. Le Ziggs, Noah. Long time no see. Long time no see, effectivement. Pareil. Le petit Yordle à lunettes. Pourquoi pas, mais je sais pas en ce moment, est-ce qu'un Xerath c'est pas quelque chose qui a plus de sens qu'un Ziggs actuellement? Parce que c'est le même principe, hein, grosso modo. Ziggs est un peu plus mobile. Ziggs a plus de contrôle de zone pour moi. Oui, ça frappe un peu plus fort, mais ça a moins de contrôle après vraiment. Et ça a moins de poke. C'est un poke plus dur, surtout depuis qu'ils ont réduit la hitbox. C'est très perturbant de commenter dans ces conditions. Il y a des gens qui passent en moonwalk et tout. Enfin, ça fait toujours bizarre, magnifique, Steffi. Alors, ça a moins de poke qu'un Xerath. C'est vrai que c'est un peu moins de poke qu'un Xerath. Surtout voilà, depuis la réduction de la hitbox. Et donc le fameux Corki, hein, des Sylgiantus, qui est leur carry AD le plus joué. Sur les deux AD carry. Vraiment sur les deux, c'est-à-dire que en tout et pour tout, il y a 16 picks ouais, au poste d'AD carry. Pour le Corki, ouais. Et donc une Jinx Morgana et une Sejuani pour les Jinx-R Green Wings. Donc voilà, à peu près la même finalement, c'est la même composition qu'à la partie précédente, quasiment pour les Jinx-R. Sauf que voilà, au mid, on a un champion qui est beaucoup plus capable de carry qu'une Lulu. Et bon, effectivement, Thresh Morgana, c'est pas la même chose. Mais de toute façon, avec une Jinx, le principe est à peu près le même, à savoir protéger. Et bien sûr, tu as un skill shot qui peut servir d'engage. Et voilà, du coup, au mid, Gang Bam Home sur un champion un peu plus capable de carry. Ça m'intéresse. Il va y avoir une grosse bataille de farm au mid entre le Ziggs et la Cassiopeia. Shai donc qui repart sur Ikarim. Et la duo lane Sylgiantus, toi, qui est faite pour l'agression quand même. Hein. Y a un lag sur le clean feed. Ami et Kenar. On va peut-être passer sur nous voilà, rapidement. Pendant que j'ai pas mon micro, on va peut-être passer sur nous rapidement le temps de régler tout ça. Alors du coup, Cassio contre Ziggs. Bon, c'est dur de ça venir. Farm. C'est ouais. C'est dur de venir chercher Ziggs, c'est dur de venir chercher Cassio. Voilà. La messe est dite. Les deux ont assez de range et assez de dépouche pour finalement ne jamais être... C'est normalement, c'est aucune faille de Grim n'est censée toucher la tour de l'adversaire. Et les deux sont censés pouvoir amener un peu de décalage. Après, on sait que Ziggs, avec son ulti, est très fort en la matière. Pendant qu'il y a l'intro. Je suis désolé, mais Faker et Press, ça reste ce qu'on a le plus de swag à chaque fois dans les intros. Il y avait beaucoup de swag hier dans la team King et dans la team Snake au niveau des intros aussi. Il y a le numéro 2, le numéro 3 derrière Spirit, mais pas encore suffisant. J'avoue que j'ai pas regardé les intros, je regardais les games. Genre je rentrais toujours dans la partie à 2 minutes, 2 minutes 30, truc comme ça. Alors, Jinx-R en position sur la top lane. Une petite cage là, de la part de Shai qui ne touchera pas sur Shai. Shai s'était bien mis au bout du buisson. Il s'attendait à ce qu'il y ait un petit quelque chose qui arrive. Et donc si Sylgiantus dispose de l'information là, bah, il voit passer en randonnion l'ensemble des Ginyar Green Wings. Petit poc de la part de Coco, de Gang by Mom, excusez-moi, c'est Gang by Mom qui joue à Cassiopeia pendant cette partie. Et des wards imposés de la part des deux équipes. Sylgiantus forcément qui réagit en posant de la deep ward pour avoir l'information. Alors,
Pilot et Shape. Pour l'instant, on n'a pas encore mis Captain Jack. Est-ce que tu penses qu'on va l'aligner dans ce BO? S'il y a 2-0 pour les CG, peut-être qu'ils tenteront la carte Captain Jack. Alors. Il y a une purge sur ce exemple. Ouais, pourquoi pas. Il y a quelques contrôles en face qui peuvent le gêner, ouais, effectivement. Puis bon, aussi. C'est Zix purge, t'es à peu près sûr que tu le toucheras jamais. Hein. Donc Coco se met dans une situation de sérénité absolue. Alors il décide de nous reproposer un swap au mid. Je pense que Zix est plus fort en 2v1 que Necassiopeia, parce que son auto-attaque lui permet de finir de façon un peu plus sereine les sbires, même sous tour. T'as la range, t'es tranquille. Après, tu peux moins spam. Tu peux moins spam, mais en début de partie. Mais je pense que ton auto compense vraiment. En early game, c'est l'auto, elle revient pas si facilement que ça, parce que tu peux pas non plus spam tes sorts n'importe comment pour réduire le cooldown. Mais c'est un très bon, perso de 2v1, c'est sûr. Enfin, c'est comme Cassio, ça a de la OE, ça max de range. Tu poses vers le niveau 3, niveau 4, tu poses toutes tes bombes, tu one shot la vague de creep. Ça fait la diff. Giner qui est dans un BO où il se cherche un peu au niveau des swap lanes, ils essaient de créer la différence. Le gros gank. Donc on envoie la Cassiopeia au top hein, pour gêner le Karim sur sa phase de lane, pourquoi pas. Là, ils ont peut-être une configuration qui est plus intéressante, mais qui est risquée. Parce que la Cassio va s'exposer à des ganks. Ambition avec son Gragas risque de faire un tour du côté de la top lane étant donné la configuration actuelle de la partie. Mais voilà, en 1v1, c'est vrai que Cassio peut gêner Karim. Et là, le placement était léché. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait la Shyvana qui était en train de couvrir le côté gauche de la mid lane. Ils étaient bien collés à gauche. Et le gank, le décalage de ce Nautilus et de ce Gragas n'aboutira pas. Donc voilà, le truc, c'est sous la tour. Sous la tour, voilà. C'est ça le problème. C'est que t'as pas non plus ton auto-attaque assez souvent pour venir dépouche, là où Cassio peut vraiment spam le croc pour essayer de faire le last hit, mais arrivé à un moment où normalement t'es pas censé te faire push out à toi avec un Ziggs. 100% in range, Shay avec sa Morgana, pas mal. 18 à 6, 6.7 de KDA, il l'a joué une fois sa Morgana Shay, pour avoir des statistiques Shay. Comme ça. Deux fois. Ma foi, 6.7 de KDA, c'est quand même assez énorme. Et la Cassio de Gangbaimom qui met la pression forcément sur ce Karim qui est en retrait. Attention, le gang de la part de Ambition, Body Slam, slow sur Trace. Voilà, quelques dégâts effectués sur cette Shyvana. De toute façon, Trace ne pourra pas faire une pire game que la partie précédente. Où vraiment, en termes de deny, il a pris extrêmement cher dans les dents. Il n'a absolument pas pu gérer ce Kog'Maw qui était posé en face de lui. Trace là-dessus, qui a posé la ward, qui va essayer de gêner Ambition. Mais Ambition, il est malin. Ambition, il est malin. Il a pris aussi pareil de la vision. Il va le mettre là-dedans, le body slam. Il le ramène dans le tonneau. Et prix de consolation, Trace arrivera à prendre le petit Krug. Au top, le roaming de Mad Life. Ah forcément, ils vont essayer d'aller sur cette Cassiopeia. Hein. Les CG Entus. Parce que Gangbaimom met la pression à Shai. Il y a Shai justement qui était là pour couvrir sa Cassio. Cassio, ça n'a pas d'escape, ça peut être sensible, surtout quand elle push à ce genre de gang. Ils ont tout prévu. Là, les GNR qui ont l'air de mieux lire les rotations des CG, le parcours et le parcours d'Ambition. Le counter jungle de Chaser. On va se battre pour les Corbins, c'est Ambition qui va l'emporter celui-là. Un peu de poc et de dégâts sur Chaser qui se retourne, qui va mettre les dégâts de l'auto hein, sur son Z qui sont importants. Et finalement, ici Gentus qui décide d'opter pour un support au top pour aider Shai à tenir eh bien, ce push infernal imposé par la Cassiopeia. Mais malgré ça, hein, il avait 3-16 contre 13 pour la Shyvana. Décidément, pour Trace, le farming est un problème dans ce BO5. Effectivement, Ambition qui va aller prendre ses Krug. Et 13, bon, c'est un problème. Là, ça va, il n'est pas trop derrière non plus. Il faut juste un tout petit peu de tanking pour survivre à ce Corki. Et surtout, en late game, Corki contre une frontlane telle que Shyvana Sejuani, ça peut être très compliqué. Si ça se trouve, Space va être obligé de partir sur une BOTRK. Ce qui est vraiment pas incroyable sur un Corki. Mais ça devrait être moins dur en termes de tanking, je pense, pour l'équipe Giner. Pareil, je pense que Ziggs, en termes de potentiel de DPS, c'est moins brutal qu'une Cassio. Ouais, c'est... Bah après, ça dépend. Ziggs a quand même pas mal de burst.
Et on a oublié un peu les dégâts que peut faire un Ziggs parce qu'il a disparu cette saison, mais faut se méfier. Il n'y a pas l'ulti-counter engage pile. Ouais. Non, clairement. Après, il a des capacités finishers sur la map qui sont intéressantes. Il faut voir Shay qui est en position là pour tenter des cages au milieu des deux lignes de sbires là pour essayer de catch Coco quand il essaie de s'avancer. Mais voilà, ce Ziggs commence à bien se comporter sur la lane. Noah, il a de moins en moins de difficultés à clear. Hein. Ses sorts sont up, donc forcément, ils font plus de dégâts. Et c'est vrai que du côté Sylgentus, voilà, on a un Corki, comme tu le disais, contre une composition double tank. Mais en même temps, il n'est pas seul fournisseur de dégâts dans son équipe. Non, il y a Gragas, il y a Karim, il y a Ziggs. Il y a des dégâts bien mixés. C'est-à-dire personne n'a vraiment d'énormes dégâts en solo. Et puis côté CG. Mais tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Et puis côté Sylgentus, on a quand même des carry qui ont des moyens d'escape, que ce soit Ziggs, que ce soit Corki. Là où les Jinners ont deux carry mobiles. Et du coup, ça. Ça fait les affaires de personnages comme Nautilus, Gragas et Karim qui vont peut-être être capables de très vite sortir, que ce soit la Cassiopeia ou la Jinx. Voilà, il y a de quoi les choper avec Nautilus, Gragas et Karim. Mais après, en very late game, si jamais le positionnement est bon chez les Jinners, que le Black Shield est bien placé et que la front lane est bien devant, on a deux carry, hard carry qui frappent extrêmement fort. En very late game, la compo des Jinners est extrêmement puissante. Donc j'attends de voir, ça va être une question de catch, comme d'habitude, qui arrive à se faufiler, qui arrive à flanquer, qui arrive à prendre son adversaire hors de position. Est-ce que CG arrive à mettre en difficulté Jinner en mid-game? On l'a vu sur la partie précédente, malgré le fait qu'ils avaient une composition plutôt late, CG, bien ils ont fini la game à 25 minutes. Le BO5 d'hier de la FPL n'était pas incroyable, mais il y a un truc qu'on a pu voir, c'est qu'en ce qui concerne le flanking et l'agression et l'engage, les snakes esports, parfois ils sont bluffants. Pour dégager une équipe qui a le contrôle du dragon, reprendre sa place, la zoner, prendre le dragon et disengage, ils nous ont fait notamment sur la game 1. La game 1, c'est un cas d'école de reprise de position. Pour ceux qui voudraient, c'est vraiment à regarder. Les autres games ont vraiment moins d'intérêt. Et le dragon qui va être sécurisé par Sylgentus, on échange noix. Dragon contre tour, non Trace, non, ne le tente pas. Oh, on essaie la Megas Rocket, ça c'était safe comme tentative, mais ça ne passera pas pour Pilot, bien essayé tout de même. Sylgentus donc qui prend le premier dragon de la game, contre la première tour pour les Jinners, Renewing Jinners qui est donc logiquement en avance au niveau des goals, sachant qu'il n'y a pas eu de First Blood. On a eu un First Blood assez tardif aussi sur la partie précédente, noix 12 ou 13 minutes de jeu et finalement la partie s'est terminée à 25 minutes. Les Sylgentus, à partir du moment où ils ont essayé d'appuyer sur l'accélérateur, ça a été absolument ingérable pour JR. Et le sang chaud, mais il n'y a pas de nunu, n'importe quoi. C'était la brillance qui était activée et on commence à poke cette tour. Shay qui n'arrive pas, qui essaye de trouver l'ouverture pour balancer une petite cage et ça ne passera pas, il l'a vu venir, Space. Alors sur la top lane, on va retrouver enfin le match-up Trace contre Shy. Alors l'état des forces, bon bah ça se passe mieux, hein. Il n'y a c'est pas mieux. 40 creeps de moins pour Trace. C'est mieux. Il a autant de farming maintenant que tout à l'heure à 25 minutes de jeu. Ouais parce qu'il a quasi, il a fait 70, la game à moins 80, ouais, 80 moins un truc comme ça. À 25 minutes, il était à 79 creeps. Ouais, c'est catastrophique hein, comme montant pour un solo laner. Il avait autant de farm que les junglers, hein. C'est vous dire à quel point il était en difficulté. Bon, Ziggs sur Graal Impie d'Athènes, noir, bon, rien de surprenant. S'il y a bien un champion sur lequel cet item va parfaitement, c'est sur Ziggs, je pense. Et les équipes ont quand même une belle capacité de siège. Hein. Et de. Ziggs, Corki en termes de POC, c'est très bon. Ouais. Le POC est en faveur des Sylgentus. Hein. Oui. Oui, mais après le siège en lui-même avec la range, Cassio, la range de la Jinx, voilà, c'est le clear de Cassio, de Cassio ouais. Avec tout son zoning et Jinx, la méga Death Rocket si jamais il y a un bon engage, c'est extrêmement fort aussi. Donc ça va être intéressant. Est-ce qu'ils vont se regarder comme des merlans frits ou comme des chiens de faïence? Ouais, mais de toute façon Cassiopeia et Ziggs risquent vraiment de bloquer ce genre de phase de jeu, donc les teamfights vont encore une fois être très importants, puis les rotations proposées par les deux équipes, sachant que les deux disposent d'un speed push intéressant avec Shyvana et Karim. Voilà, on est dans une game, il faut voir. Si Sylgentus a quand même plus un temps fort en mid-game, clairement. Jerry Kellogg qui parle de la méta coréenne comme quoi c'est pas la plus flamboyante. Non, c'est pas la plus flamboyante. C'est vrai. Qui a vécu l'NA, alors là je suis pas d'accord. Quand on va voir la finale Fnatic QOL, c'est
très 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 vénère. C'est vrai que moi je suis d'accord. Hein. La Corée cette saison c'est peut-être pas. Enfin voilà, on n'a pas les Samsung White de l'année passée, on n'a pas les KT Rollster Arrows. C'est plus pareil. Mais SKT, ils ont gardé un style assez. Ouais, SKT ont un style assez, assez agressif. Même quand Izzyune est là, dernièrement, ils arrivent à sortir des games assez courtes. Mais le truc, c'est que malgré tout ça, eh bien, la Corée est reconnue comme étant la meilleure région. Alors, notamment, moi, bon, je dis ça, après, chacun a son avis sur la chose. Voilà. Beaucoup de gens vont dire que c'est la Chine, mais ces deux joueurs, deux anciens tenanciers de la scène coréenne, à savoir Deft et Pound, qui sont quand même dans l'équipe numéro 1 de Chine, et Edward Gaming, qui ont dit, eh bien, nous, on scrime hyper souvent contre les Coréens et on ne gagne quasiment jamais. Ils sont encore au-dessus de la scène chinoise pour l'instant. Moi, j'aurais mis une nuance parce que je pense vraiment que les Edward Gaming peuvent arriver à faire quelque chose de très bon. Le problème, c'est que là, pour le mid-season qui arrive, ben Pound, il sera peut-être pas. Alors déjà, c'est même pas sûr que les Edward Gaming. Mais après, voilà, c'est Deft et Pound qui te disent, on s'entraîne contre les Coréens toutes les semaines et on les bat jamais. Il y a des baisses. C'est dingue quand même. En fait, il y a vraiment des baisses de régime de temps en temps chez les équipes coréennes. C'est pas aussi propre et aussi invincible que ça l'était en fin de saison dernière, où vraiment les whites, les blues, ça, c'était cette aura d'invincibilité. Mais le truc des Coréens, c'est que ça nous paraît toujours parfois prenable, et en fait tu te rends compte contre les équipes des autres régions que ben, le niveau est... Les G se sont bien plantés pendant les UM. Ils sont bien plantés. Donc, on va voir après, on est pas à l'abri. Après, la vérité des scrims n'est pas forcément la vérité des games de tournoi, mais voilà, hein, d'après quand même deux top joueurs de la région chinoise, la Corée est quand même au-dessus actuellement. Deft que je mets vraiment dans le top 3 des Deft et Pain, que je mets dans le top 3 des joueurs du monde à leur poste. Deft a été impressionnant pour les lignes, il a sorti. Enfin, il a pas été monstrueux sur toutes les games, mais sur deux games d'affilée, les deux premières games, honnêtement, il a carry de A à Z. De Deft, c'est quelque chose. Hein. Ouais. C'est vraiment c'est un monument. Mais j'attends de voir ce mid-season qui va être très intéressant. Mais même, hein, honnêtement, il y a même les équipes occidentales peuvent surprendre. TSM a surpris aux IEM, ils sont capables de resurprendre, parce que je vois bien TSM s'imposer en Amérique du Nord. Là, pour ce week-end, contre les Cloud9, je pense que TSM va gagner, ouais. On a vu que Cloud9 n'a pas les armes pour les prendre sur un BO5. Après, bon, et on dit ça, moi j'enterrais déjà Cloud9 contre Team Liquid, hein, mais... Et UOL et Fnatic, honnêtement, je sais pas quoi m'attendre. Je pense que Fnatic 3-2... Je pense que Fnatic est plus solide. Je pense que l'expérience de Yellow Star va parler. Mais que dans ce style de jeu un peu foufou, ils sont un peu meilleurs. Mais les UOL, en fait, c'est la force de la compo. C'est la force de la draft complètement débile. Ah oui, mais il va pas passer ce trap. Hein, pour Jean Greenway, ils sont 3 sur une ward là. C'est un joli regroupement de pots de fleurs de la part de Jean Greenway. Mais Space et Mad Life sont au courant, bien sûr. Et ils vont même pas leur montrer qu'ils savent. Ah voilà, ah non, on deny les bacs, les gars. Non, voilà. Et maintenant, on sait, bah, vous avez perdu un peu de temps dans votre vie. Et pendant ce temps-là, eh bien, le Ziggs farme tranquillement et on effectue la rotation du côté du dragon pour laisser le J un peu de contrôle autour de l'objectif. JR qui voulait prendre un kill avant le dragon, justement, noir. Ouais, mais c'est bon, là, ils ont bien réussi à faire back la Morgana et donc le dragon ne sera pas défendu. Deuxième dragon côté CG Entus, un petit peu derrière au goal, mais ça maîtrise les objectifs. Le Ziggs qui a bien réussi à farm, vraiment, encore une fois, Coco en 2v1, irréprochable. Il tient parfaitement bien sa ligne. Et le fameux, on l'avait oublié celui-là, je fais le dragon, je mets un ulti au mid. Bah ouais, c'est rudement efficace. Hein. Ah, ça, on l'a mangé pendant une saison entière. C'était quoi? C'était saison 4 ou Ziggs c'était craqué ou saison 3? Ouais, c'est en saison passée. Saison 4, j'ai. Non, c'est la saison passée. Non, la saison 3, c'est la saison des assassins et des SKT T1. Ah oui, c'est vrai. Oui, bah. Le Ziggs n'avait pas sa place. Non, pas vraiment, non. Oui, c'est début de saison 4. C'est les 6 premiers mois à Ziggs. Ouais, jusqu'à avant les Worlds ou un tout petit peu avant les Worlds S4 où c'était encore beaucoup joué. Effectivement, c'est passé de mode un peu et les équipes agressives ont repris le dessus. Mais bon, oui. Du Ziggs, on en a beaucoup mangé. Hein. Ouais, les 6 premiers mois, comme tu dis, c'était avalanche de Ziggs. Pour notre plus grand déplaisir, hein. J'en pouvais plus, moi je dois avouer que... En fait, je me souviens un jour dans ma jeunesse avoir formulé le vœu de « j'aime vraiment beaucoup Ziggs, ça me fait vraiment plaisir de le voir en compète ». Et les Quelle dieux m'ont folie. Entendu, les dieux m'ont exaucé. Quelle folie de la part de Noah. C'est le truc que tu le souhaites tellement ardemment que quand il arrive, tu vois, genre, l'effet est méga décuplé et du coup, faut c'est être sûr trop, de ton coup. Quoi. Décuplé, c'est on a fait une overdose de Ziggs un peu. Shai qui chase un peu sur Trace, il va mettre la charge. Là, il va le ramener, Trace. En arrière, oh, il coupe
l'ulti de Trace. Quelle erreur de la part de Trace. Avec Trace, il n'est pas dans son match. Ah non, vraiment, Trace. Là, c'était nul ce qu'il a fait. Il aurait pu mille fois utiliser son ult avant. Ou après même. Il utilise pile au pire moment possible. Ah, j'ai pas compris là-dessus. Ça a été un first blood très facile pour SIG Gentus. Ça peut coûter la tour, ça peut coûter la tour, ils n'ont pas besoin de ça. Les Jin Air, ils sont déjà deux dragons derrière. Regardez, il a son... C'est tellement naïf. Il a complètement sous-estimé son adversaire. Mais c'est même pas qu'il sous-estime Shy, je pense que c'est juste qu'il... Enfin, il est à l'ouest là-dessus, Trace. Je sais pas, c'est... Il ulti au... Il a un créneau pour ulti avant, il a un créneau pour ulti après. Il utilise entre les deux dans le créneau qui est le plus dur à prendre en plus pour son adversaire, genre c'est trop bizarre. Je sais pas, on perd le sens des réalités un peu du côté de Trace là. Son BO sur sa Shyvana pour l'instant n'est pas convaincant, mais bon, cette game n'a pas encore livré son verdict. On a eu le first blood qui a 16 minutes de jeu donc. Par contre, il y a toujours petit avantage pour SIG Gentus qui mène la bataille des tours, deux tours à une. Ouais, ils sont pas pressés, encore une fois, on sait qu'ils peuvent monter. Et le farm, ils sont devant, sur toutes les lignes, tous moment. Les postes. Bon, voilà, même en jungle. Même dans la jungle. Et là, le Ziggs, bah, maintenant, il a son Graal impide Athènes. Donc, il lâchera pas un pouce de terrain à Gang by Mom. Et on l'a vu, hein, pour les objectifs, il décale, il contrôle avec son ulti. Il peut permettre même du roaming de la part de Shy, avec du contrôle de la top lane, toujours à l'ulti. C'est très fort pour ça, Ziggs. On se souvient des matchs, je me souviens des XPK avec Ziggs. Ce double camp de creep, 400 creep à 30 minutes. Quel régal. Et le pire pour Ziggs, c'est que je détestais ce champion, il a même pas été capable de nous apporter le record de farming en game LCS qui a été pris par une Orianna. Donc bon, oui, je vous avoue, j'avais vraiment la haine de Ziggs la saison passée, mais là au revoir un bon, pourquoi pas. Ça fait plaisir. Allez passons-le. C'est toujours mieux que de voir du Maokai au top. Je sais pas, parce que Maokai c'est un champion, tu vois, en teamfight. Je suis là, oh, qu'est-ce qu'il tank et tout. Ziggs, il n'y a pas de teamfight. Qu'est-ce qu'il dépouche bien, ce Ziggs. C'est quand même impressionnant. Et il est là, Space, il met la pression sur sa duo lane. On poke ses adversaires. On essaie de gratter des points de vie à cette T2. Et au top, Shy, bon, qui évolue tranquillement son match-up. Il fait pas de trinité, Shy. Mais où sont les dégâts de ton Ekarim? Mais c'est surtout que ce serait bien contre la composition des JR. Il a deux carries qui sont immobiles. Depuis qu'il joue Smite Rouge, les Karim, ils font plus la trinité. Ça a disparu, vraiment, ça a disparu complètement. C'est vrai que... Ils partent sur le Smite Rouge, ils font du tanking. Les dégâts purs apportés par le Smite Rouge sont très sympas, mais... Je sais pas, quand même, Trinité, pour moi, avec le proc de Brillance, si tu charges un carry comme Jinx, c'est quasiment l'assurance de le tuer. Mais on n'est plus là-dedans. On n'est plus là-dedans, mais il y a assez de DPS hein, sur un Karim pour être gênant et pour vraiment gêner une backlane. Mais est-ce que tu peux détruire une Jinx en solo avec le pile de tes adversaires sans trinité? Avec un Ziggs derrière, oui. Bah, moi, je peux parler vraiment en solo. Là, on ne rajoute pas de facteur Ziggs. Si elle supporte à côté, non, forcément. Du coup, voilà, je trouve ça dommage. Mais bon, après, peut-être que Shy va me donner tort. Hein. Je pense quand même que si Gentus est supérieur au Jinx actuellement. Donc voilà. C'est plus tanky, ça fait un peu moins de dégâts, mais c'est bien plus tanky. Ouais, ça c'est sûr. Et tu peux rentrer plus rapidement et plus tôt dans la partie, dans le tas, sans décider de te faire des pops. Alors, oui, tu décides ou non de te faire des pops. C'est une question de volonté. Bien sûr, on a toujours le choix. Vous avez toujours le choix. Feed ou ne pas feed, telle est la question. Et la tentative de style de Red Buff, ce sera pris par ambition au Smite. Le dragon qui revient dans 40 secondes, peut-être un troisième dragon pour les SIG Gentus. 3K gold d'avance. C'est plutôt pas mal, ils peuvent faire mieux. Bah, la partie précédente, après leur first blood, ils ont vraiment réussi à emballer la game. Là, c'est pas trop le cas. On est plus tranquille du côté SIG Gentus, mais ça farm. Regardez la Cassiopeia derrière qui commence quand même à prendre une petite salière de retard sur le Ziggs. Pareil au niveau du Corki, il y a un petit 15-16 d'avance. Le top, on se balade également. SIG Gentus qui va donc spike un peu plus tôt dans la game au niveau des items. Après, bon, si les deux équipes décident de jouer comme ça dès là à 50 minutes,
on s'en foutra pas mal du Spike. Oui, parce que il y a pas non plus une. Mais les dragons sont là côté style chinois. Ça va être le troisième, hein, comme tu disais. Très back. Ça c'est le plus gros problème. C'est de laisser surtout il y a l'Ekarim au top là. Donc lui il est resté. Il est en train de faire son décalage. Il va amener une nouvelle vague supplémentaire sous la tour. Il va prendre le blue buff. Allez Jiner. Action, réaction, là voilà, il faut se battre pour ce dragon. Trace qui a un ulti, on attend un peu mieux de sa part, c'est censé être le joueur le plus solide. Je vous l'ai vendu comme ça en tout cas. Donc j'ai pas envie de passer pour... Le TP du Karim en plein milieu, est-ce qu'on va avoir droit à un steal? Oh le dragon! Le dragon qui va être en train de reset, c'est bon, le Shyvana arrivera à mettre un smite dessus. Et le premier kill qui va être pris du côté de Corki, la Jinx qui est tombée, le disengage. Ça c'est un push mid pour les Sylph Gentoo, c'est un push mid et minimum une T1 d'emporter de leur part. Le dragon qui a essayé bien 2 secondes. Ouais, à 200 points de vie. Alors je me suis dit, non, c'est pas possible et tout. Il va pas reset enfin, quand même. Il y a 4 smites en tout dans la game. C'est, ça me paraissait aussi bizarre. Même si Karim avait dégagé son smite pour le blue buff. Et on push, hein, côté CG, voilà. Oh, cette Bertha qui fait mal. Derrière, c'est Shai qui engage sur la Morgana. Il se met le smite rouge un peu late. Derrière, 13 prend d'énormes dégâts. Il n'avait pas de quoi s'escape. Et Shai, qu'est-ce qu'il tend? Bon, bah, voilà. C'est le fait aussi, effectivement, de ne pas faire Trinité. Là, on le sent, il se balade, effectivement. Tu peux permettre le dive. Il n'a pas eu le temps de finir son bleu tout à l'heure. Il a pris du Chaque retard. Team de build a son avantage, dans tous les cas. Hein. Et là, c'est vrai qu'on le sent, il tanque énormément et il se permet des dives un peu furtifs quand même. Ou furtifs, pas du tout furtifs, bourrin. Bourrin, c'est pas vraiment furtif. Le Karim qui rentre dans le tas sous ulti, c'est pas le totalement furtif. Ils ne m'ont pas vu venir. 3-0 donc pour les Sylph Gentoo au niveau des kills. Et donc une avance qui commence à être confortable au niveau des golds. Encore une fois, nous on a l'impression que Jiner a du mal à répliquer, à faire quoi que ce soit. Toujours pas de kill. Hein. Pour l'instant, c'est en 2 games. On a donc en 50 minutes de game, les Jiner n'ont pas pris un seul kill au CG. Ce qui est bon. Pas évident. Effectivement. Jiner, je sais pas, Chaser a pas spécialement d'impact, ça fait 2 fois qu'il joue Sejuani, genre il gagne pas spécialement, ses ultis sont pas déterminants. Non, je sais pas, Jiner, je comprends pas comment on peut arriver dans une demi-finale là, de LCK et jouer aussi passif. Après, ils ont une équipe qui est late là, mais quand même, je veux dire. T'as l'impression que ça fait 3 semaines qu'ils ne font rien en fait. Oh là, c'est pas mal, voilà Chaser, je parlais de toi. Voilà, c'est ça qu'on veut, du mouvement côté de GIA Green Wings. J'attendais le double perfect, ce ne sera pas fait au niveau des kills. Et là, il faut 10 engage maintenant. La oh, les belles cette cage de la part de Shay. Est-ce que ça suit? Le Zap qui a été placé sur Ambition qui va être obligé de flash out. Il n'a plus d'ulti pour 10 engage. Et donc, le premier kill en faveur des GIA Green Wings, finalement, dans ce BO5, on y est noix. Peut-être est-ce... le début d'une grande épopée pour Engineer Green Wings dans ce BO. J'ai du mal à en être convaincu moi-même, mais voilà, j'ai une obligation professionnelle de faire monter la hype. C'est dans mon contrat avec Gaming TV. C'est vrai, les contrats qu'on a signés, création de Gaming, on a toujours plus de hype. C'est dans les petites lignes au dos du contrat. Sinon, c'est voilà, si tu brises cette clause. Tu t'engages à de lourdes poursuites judiciaires. Ouais, exactement. Donc voilà, je peux pas vous dire non, en fait, c'est nul. Voilà, cette game n'a aucun intérêt. Non, je ne peux pas vous dire ce genre de choses. Jamais, à quelques moments d'année. Donc, je dois toujours, voilà, vous assurer le spectacle, quelles que soient les conditions, noires. Et si le spectacle n'est pas dans malgré la game, le spectacle sera dans le casque. Malgré parfois la très mauvaise volonté des équipes, hein. Notamment faut le ça les arrive. Anciens Millennium. Ou les alliances, ou Elements, c'est vrai qu'eux sont des très mauvais clients pour nous. Ah oui, pour nous c'est vraiment compliqué à gérer ce genre d'équipe. Mais voilà, on fait avec. Et si Gentus se repositionne dans une phase de farming, moi, est-ce qu'ils vont attendre le prochain dragon et continuer à push tranquillement? Là, ils ont quand même pris 3 tours. Donc typiquement, ils peuvent essayer de mettre la pression à la jungle adverse et de provoquer des situations de catch. Ou ils peuvent split. Et s'assurer un bon contrôle de l'ensemble de la map grâce à ce Ziggs. Mais voilà, ils ont quand même une équipe qui est censée être plus forte en mid-game. Ce serait dommage de gâcher son potentiel alors qu'on est au cœur de cette phase de jeu. On a une 30 du retour dragon. J'ai l'impression que ça va être rythmé par les dragons. Surtout la BRK sur Corki.
pour passer la front lane. Donc la fameuse. On sait que Corki va avoir du mal, beaucoup de mal contre ce mur de points de vie, ce mur d'armure. Le Ziggs qui fait maintenant, il a extrêmement bien farm. À 26 minutes de jeu, il approche près des 300 creeps et il va être intenable. Là, il fait extrêmement mal. Voilà, c'était prévu. Son rabadon et son bâton du vide. Game of farm sur la mid lane. C'était totalement prévu. Et on attend le siège. Hein. Il reste plus que ça maintenant. Il reste toutes les T2 à prendre pour les CG. Il y a le quatrième dragon. Ah non, pardon, le troisième dragon. C'est vrai que les Djinnair ont pris le dernier. Ce qui était de façon assez bizarre, mais ils l'ont pris. Ouais, sur un smite un peu tardif, d'ailleurs. Alors, 45 secondes. 45 secondes, 6 Gentus qui a la position. Shai qui met la pression top contre cette Shyvana. Et maintenant, faites-nous rêver, hein. Un petit teamfight peut-être, qui apporterait des kills. Ça va pas être simple, encore une fois. Parce que le Karim n'a pas de trinité, donc il peut, je pense pas qu'il puisse all-in un carry et le tuer tout seul. Derrière, du coup, derrière leur front lane, les deux carries Jhinnia et Greenwings vont être durs à atteindre. Après, si le teamfight s'éternise, je pense quand même que CG avec leur avance au goal peuvent faire la différence. Effectivement, alors Trace. Ah, il se fait pas mal Arras quand même, Trace. Hein. Il prend beaucoup de dégâts de la part de Shai. Il a son buff, Trace. L'ulti des pushes de Shai. L'absence totale. Non, mais alors là, il n'y a rien qui justifie un ulti dans ces conditions. Au niveau du dragon, au moment du dragon. Et on va essayer de venir. On a pris les boosts de foyer, le TP, ça y est. Attention, bataille de smite. C'est pris par les Stygian. Tu sais, Ambition Noir qui a assuré le coup. Derrière, on va rentrer dans la mêlée. Le bon poc, le Karim qui arrive là. Il a pas l'ulti. Qu'est-ce qu'il les aurait démolis à ce moment. Mais bon, il y a tout de même. Dans tous les cas. Shai qui va mourir. Il est là, le team Falsigentus. Il est là. Oh, Space qui rentre dans la mêlée. Ok, tu m'as blacké, pas de problème. Moi, je tape au milieu. Tu sais, j'ai des attaques physiques également. En ulti, Shai. Il y aurait eu Ace. Ah, il y aurait eu Ace. Il rentrait dans le tas, il massacrait tout le monde. Très, très, très bizarre. Mais bon, le résultat est là quand même côté Sigentus, toi, même si c'est vrai que là, grosse approximation. Le misclick, le fameux. le j'ai ripé. Ça ne nous arrive pas qu'à nous en live. Bon, la tentative de style de la Shyvana, va-t-elle arriver à temps? Non. Ah, c'est aussi un truc avec cette méta double smite, c'est. T'as plusieurs menaces de style. Tu renforces ta capacité à prendre un objectif, mais maintenant le soul laner en face peut te jump dessus et prendre ton Ashor. Et ça y est, on a 6k gold d'avance, à 30 minutes de jeu et surtout ce buff Ashor maintenant pour les Sigintus. Et on avait dit, hein, leur push est très bon avec Ziggs, avec Corki, leur poke est très bon, alors caché derrière des méga sbires. Ça va être intenable pour les Djinnair. Ça va être très 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 dur à des pushs. Sachant qu'il n'y a pas de Phantom Dancer sur Pilot. Il n'y a vraiment que Gang by Mom pour essayer de faire quoi que ce soit. Et on est parti pour une phase de siège peut-être côté Sigentus, voilà, avec ce Baron Ashor. Il faut y aller, hein, maintenant. Logiquement, les sbires du Baron Ashor sont un peu trop compliqués à clear rapidement pour une Cassio. Donc il y a moyen de gratter, hein, pour Sigentus. Ambition qui se fait go là. Pas JR Renou, il y a quand même du backup. Avec Madlife, il est tanky, Ambition, avec son Gragas, pas de problème. Et le Body Slam qui lui permet de sortir de cette mauvaise passe. Tandis qu'on a speed push du Corkinois. Pendant que Jhinnair essaie de taper désespérément sur Ambition, et bien le Corki, lui, va chercher à faire les dégâts au bot. Il a la BRK. Hein. Il a la BRK, donc il peut mener son duel, voilà, contre la Shyvana. Il peut lui faire même très très mal. Et là, ça y est, on a peut-être le push. Ils vont pas pouvoir défendre, pas avec ses méga sbires, pas avec Shai qui est en train de zoner derrière, voilà, avec son ulti-up. Voilà, ça c'est bien joué, hein, de la part de Sigentus. On continue maintenant, on va aller prendre une T3. Alors, est-ce qu'ils pourraient tenter de dive? On a vu qu'Ambition et Shai étaient vraiment hyper tanky. Ils vont poke avec ce. Oh, avec c'est ce bien Ziggs. Ce qu'il fait Space. Oh oui, oh, voilà la puissance. On avait oublié un peu. Après, Xerath peut faire kills, le même, hein, genre de choses. Mais prend deux kills comme ça, complètement gratuitement. Ils vont finir la game. Son Corki. Ouais, bah, ils peuvent finir, sachant qu'en plus il y a l'ulti des Karim derrière. On va essayer de finir. 13, Gang by Mom a pu s'échapper. Et encore une fois, j'ai l'impression, tu sais,
Genre. Giner a rien fait. Non. Ils ont pris strictement rien fait. Ils ont attendu la mort sous leur tour. Voilà. Et ils se sont fait en gage. Alors oui, si Gentu joue bien. C'est qu'ils perdent, mais... dès le début de la game, ils perdent leur phase de laning en fait. Ils perdent toute leur phase de laning. Là encore une fois, ils perdent en 10 minutes. Il n'y avait rien à 20 minutes. Il s'était rien passé à 20 minutes de jeu. Et en 10 minutes, ils perdent tout. Tout à l'heure, c'était à 15 minutes pour 25 minutes. Là, ça a commencé à 20 minutes pour 30 minutes. Ah, c'est triste. Hein. Pour une équipe qui fait quand même une saison assez convaincante, je suis extrêmement déçu de ce que propose EG à Green Wings. C'est... ils sont pas là, ils sont pas là et c'est... ils, vont... ils peuvent pas mettre les CGNTUS en danger avec ce qu'ils sont en train d'offrir. C'est... ça me paraît compliqué. Bah non. Trace, il fait un BO néant. Trace, c'est néant ce qu'il est en train de faire avec sa Shyvana. Il est temps ou soit de remanier la stratégie ou soit de changer certains joueurs. Hein. Là, il y a besoin, peut-être pareil pour Pilot, de le secouer, de secouer un peu le pommier. Un petit passage sur le banc, hein. On va cirer un peu justement le bois qui n'est pas assez verni sur, dans le vestiaire de Giner et on laisse peut-être Captain Jack tenter. Captain Jack, on le sait, il a cette fameuse réputation de carry une game sur un certain nombre. C'est moins le cas maintenant, il est plus consistant, mais peut-être que c'est le moment de tenter un truc. Non, il faut bouger là du côté de JR Green Wings. C'est catastrophique, honnêtement, il ne propose rien dans ce BO5. Non. Si GNTU s'est pas mis en danger une seule fois. Il y a eu deux kills en pour les. Il y a eu deux kills pour les Giner en deux games. Deux kills. En moyenne un kill par game. Alors il n'y a pas eu beaucoup de kills. Et dans Trace, la partie, là, vous le voyez. Tandis que ça rigole côté CGNTU, ça bah tranquillement les gars, on va aller jouer SKT T1. Par contre ça rigolera moins la semaine prochaine contre les SKT. Ouais, ça c'est clair. Non non, rien, vraiment rien d'offert. Bah voilà. Voilà, donc ça. On avait prévenu, moi j'avais prévenu avant, ce match ça peut être tout comme ça peut être rien. Là c'est plutôt rien, mais surtout d'un côté, CG joue pas mal. Hein. Ah non, CG honnêtement. Rien à redire. À part ces CG Karim au top. Ouais, voilà, ils sont posés, CG. Chien. Roi des chiens. Du coup, on est parti pour une troisième game après une courte page de publicité. Voilà, n'hésitez pas à désactiver Adblock pour nous soutenir. Alors, à mettre le coup de carte voilà. Bleue. Pour vous, c'est un tout petit geste, hein, désactiver Adblock. C'est un peu comme. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit hier sur le chat. Pareil. C'est vraiment. Voilà. C'est si chacun. Ah non, t'as vu ma phrase ou pas? Parce non. Que la mienne était belle. Ah, vas-y. Donc voilà. Pour vous, c'est un tout petit geste. Pour nous, c'est une R8. Ouais, ah oui, je l'ai vu celui-là. Voilà, un petit pas pour vous et un grand pas pour OGaming. Si chacun d'entre vous désactive Adblock, vous pouvez dire oui, mais une personne de plus, une personne de moins, ça change rien. Eh bien si, ça change, tout change. Vous pouvez aussi bien sûr vous abonner si jamais vous en avez marre. Si vous avez la carte EDF, bleue et si vous avez envie de nous soutenir, d'avoir les super smileys, d'avoir les rediffusions, eh bien instantanément, vous avez les VOD directement disponibles sur Twitch. En ce moment, pour ceux qui n'ont pas envie d'attendre. Avec la LPL dans tous les sens, les LCK, les LCSEU, ANA, les ECN, enfin, il y a tellement de compètes. Voilà, vous pouvez faire ça. Et les donations, évidemment, voilà, également. Si jamais vous voulez qu'effectivement, on parte en vacances en R8. Voilà, c'est vraiment important pour nous. Enfin, on est très voiture en plus avec Chips. Ah ouais, vraiment. On a tous les deux notre permis, on est chaud bouillant. Ah oui. Ah, j'ai eu mon code. Moi, je préfère les décapotables quand même. T'as eu ton code, c'est vrai. J'ai eu mon code. Mais je sais pas ce qui est pire, avoir eu son code sans avoir poursuivi sur la conduite derrière ou ne jamais s'être inscrit, comme moi. Je sais pas. Ah, c'est une belle question. Voilà, sur ce, eh bien, écoutez, on va rêver de R8 pendant ces 10 minutes de pause. Et on se retrouve juste après pour le troisième match de ce BO5. À tout de suite. À toutes. Et on est de retour pour la troisième game de ce BO5 donc. Avec et un changement de voix. Enfin voilà le capitaine Jack qui arrive du côté des JR Green Wings. Tu peux nous le mettre à l'écran je pense Arthur. Capitaine Jack, c'est lui. Et en face on est très 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 détente. Je ne savais pas que Beat se mettait à sponsoriser des teams e-sport. Et on est vraiment. Une qualité vraiment de son détente. Indéniable. Oui. Je méprise les gens avec un casque dans la rue. Attention sur le chat. Y en a-t-il un? Non, c'est vrai. Je les regarde avec mon HD25 Sennheiser et voilà, je me gosse de. Oui, il y a. Je pense qu'il y a mieux effectivement actuellement. Enfin, voilà, c'est. Disons que c'est facile d'accès dans le sens où voilà, c'est un casque qui marche bien et tout. Mais bref.
on n'est pas pour discuter technologie, mais oui, il y a mieux quand même. Sachez qu'il y a mieux. Voilà. Oui. C'est, ouais. Mais renseignez-vous, machin. Après. Le HD25. T'as toujours pas de bon casque, toi. Ça me sied. J'ai même pas de MP3, mec. Donc, oh, me parle mec, pas de bon casque. Et on est parti dans. Eh bien, j'apprends la patience dans les transports en commun, mec. Du coup, je suis quelqu'un d'extrêmement peace, zen. Et on est parti pour cette troisième game. CGNTUS contre Ginière, Green Wings. Et les CGNTUS qui vont jouer Blue Side, Ban de Rek'Sai de leur part, Ban de la Leblanc. Bon, Ginière qui a l'air d'être parti à peu près sur les mêmes bans. Peut-être Vladimir dans la foulée. Alors. Avec ça, Ignar, Leblanc encore, on ne veut absolument pas laisser Leblanc à Coco. Nunu qui va sûrement être ban par les Ginaires, on n'aime pas laisser le Nunu à l'équipe en face. Tout à l'heure, CG l'avait ban pour pas que Chaser puisse le prendre. Voilà, le Nunu. Bon, je pense qu'on peut laisser la Shyvana à Trace. Oui, il n'a pas vraiment été convaincant avec le champion, donc pas trop de problèmes, je pense, pour les CGNTUS. Surtout que Karim Dechet, à chaque fois, fait 20 fois mieux. Alors, ban de la Kalista. Et donc, le dernier ban des Ginaire Green Wings. Vers quoi va-t-on s'orienter? C'est le Karim, finalement, on n'a pas de ban Vladimir. Ça pourrait donner des idées à Coco, tout ça. Mao Kai. Oh, j'avais oublié que l'Urgot était open. Et forcément, le pick Urgot. Côté CGNTUS. Ah oui. Il y a le Cog aussi qui est ouvert. On pourrait avoir un Coco mid Urgot. Et du coup, peut-être avec un Shogat. Peut-être. Pour sortir l'équipe, l'équipe tank, côté CGNTUS. J'avoue que le Shogat mid Urgot bot. Rajouter une Janna. Après, j'aime pas voir Madlife sur Janna, j'aime bien voir Madlife sur des persos à plays. Même s'il est excellent, hein. Là n'est pas la question. Alors, du côté de Jean Air, noir, on va s'orienter donc sur ce Nautilus et cette Cassiopeia. Cassiopeia, Nautilus lock. Très bien. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui a marché côté de Jean Air Green Wings. De toute façon, donc, j'attends de voir ce qu'ils vont nous proposer. Captain Jack, qu'est-ce qu'il va jouer, noir, pour essayer de faire pencher la balance en faveur de son équipe? CGNTUS pour un pic Gragas pour Ambition, ça a très bien fonctionné. Chat, il est en train de dire à Tress, attends Coco, la Shyvana. Je vais te montrer comment on joue la dragonne. La Shyvana. D'accord. La dragonne. Bon, comment va-t-on répliquer côté Jean Air? Il nous manque la Dio Lane, le Cog n'est pas ban. On pourrait décider d'aller chercher un Cog. Après, avec une Cassio, oui, on a vu qu'en général les équipes aimaient bien coupler la Cassiopeia avec un carry AD. La compo que j'ai adoré hier, c'était la compo de la Team King qui ont sorti plusieurs fois le Karthus Vayne. Et c'est extrêmement avec de la frontline, etc. Le reste de l'équipe. Ouais, c'est super intéressant parce que la Vayne elle est safe. Ouais, ça ouvre tellement de possibilités de dégâts à la Vayne. Je veux dire, un Karthus ça met un tel bazar dans un teamfight, quand ça te jump dedans, tu splits l'équipe adverse, du coup ça donne des targets isolés pour la Vayne. La réponse des Snakes c'était Azir, un Azir extrêmement bien joué d'ailleurs par Baka. Beaucoup de Azir de leur part, et Azir, ben, c'est effectivement quand tu veux zoner, Azir c'est excellent contre les compositions qui ont beaucoup d'engage. Alors Lulu, c'est Juani, bon, ça sent quand même le gros carry du côté Ginaire Green Wings. Donc 13 qui va jouer sur une Lulu noire. Est-ce qu'il va être victime de la Lulu Curse? Je sais plus si ça existe encore, la Lulu Curse. Alors je pense pas que Coco aille jouer un Vladimir contre une Cassiopeia. Oh oui, j'aimerais bien le Blitz. Un Thresh pour Mad Life. Ouais, le Cog hein, pour Space. Pourquoi pas, avec un Urgot mid. On a du dégât AP avec les Shyvana et avec le Gragas, même si c'est pas incroyable, il y en a. Qu'est-ce qu'ils vont jouer mid, les CGNTUS là? Contre une Cassiopeia. Le Ziggs. Ils vont partir sur Ziggs, choix safe. Ah, j'aurais bien aimé un double ADC, ça m'aurait fait plaisir. Choix safe donc de la part de CGNTUS, puis Coco a vraiment pesé dans la partie précédente avec son Ziggs. Il a outfarm son vis-à-vis. Il a fait la différence dans les 10 dernières minutes de la partie. Et une civière en last pick pour les Ginaire Green Wings.
D'accord, choix très correct, je pense, de leur part. Un champion qui fait le travail en late, qui est bon en mid-game également. En early, ça fait de bons dégâts. Très bon pour engage. Très bon pour 10 engage. Relativement autonome grâce à son spell shield et sa mobilité. Oui, puis c'est bref, un peu bon champion. C'est un peu le Captain Jack, bon, c'est son deuxième AD carry. Captain Jack a moins joué que Pilot hein, pendant cette saison. Il a fait moins de matchs. Ce qui est... Moi je trouve que Captain Jack est peut-être un plus de... Alors, il est plus inconsistant, mais plus inconstant plutôt. Mais il est capable d'avoir de très grosses phases. Est-ce que ce changement, cet unique changement va permettre le souffle d'air frais pour les Djinnair? Est-ce que Trace va encore une fois s'incliner? Bah, je sais pas, parce que finalement c'était pas la duel lane n'était pas le pire c'était pas le pour pire. Les Djinnair Green Wings. C'était au top, ça se passait vraiment. Le top et jungle, ça se passait vraiment mal. Puis même Gang by Mom n'arrivait pas spécialement à avoir d'impact. Enfin, bon, dans l'ensemble, l'appréciation d'équipe des Djinnair Green Wings est vraiment faible hein, pour l'instant en BO5. Il faut se réveiller maintenant pour espérer faire la différence et continuer à rêver. Et on est parti dans cette peut-être dernière game, au vu de ce qui s'est passé précédemment. Il y a de grandes chances que ça se finisse à peu près dans le sang et les larmes pour les Djinnair. Ben c'est vrai que là, on n'a juste pas du tout été convaincus hein, par ce qu'ils ont proposé. Et si Gentus, eux, prennent sereinement le chemin d'un BO5 contre le SKT T1 qui se jouerait donc la semaine prochaine, Noah. La semaine prochaine, c'est un par semaine en fait. C'est, ouais. Ça finit, si je ne me trompe pas, ça finit en mai. C'est ça. Le 2 mai, ce sera la finale donc SKT T1 contre G Tigers. Oui, je prends un petit peu d'avance dans les pronostics. Très bien. On verra. Enfin, quoique les CG sont extrêmement chauds. Hein. Ouais, après, effectivement, contre SKT, je ne sais pas si ça suffira. Mais surtout les SKT tels qu'ils sont actuellement. Soit très très fort avec Fakeru peut-être. Ça me ferait plaisir de revoir Fakeru en tant que mid laner ultra incontesté cette saison, de le revoir Fakeru Awards, parce que ça manquait hein, qu'il n'y ait pas de SKT Awards. De toute façon, il y a tellement de débats sur est-ce que Fakeru a toujours le meilleur mid laner du monde et tout machin. S'il va au mid season invitation, on aura une part de la réponse. Oui, voilà, ça mettra fin à, peut-être à ce débat. On verra. Pour l'instant, le chemin est long encore pour ce joueur. Il y a deux BO5 à remporter. Alors, on est parti du côté des CG. Au niveau des Krug, donc, ambition, un petit smite de dernière seconde. Et pendant ce temps-là, les Djinnair Green Wings partent avec un supplément d'XP, non avec le Gromp. Par contre, il met du temps à le tuer quand même. C'est long. Ça passe finalement. Alors... Bon, Mad Life avec son Thresh. Ça ah bah, met la pression. On l'a vu juste au début de ce BO5. On avait eu le super play de la semaine flash, précédente. Blind Hook, enfin absolument parfait. Énorme. Genre, le genre de choses que tu vois très rarement. C'est vraiment des moves d'exception. Hein. Bah, en plus, faut être 100% sûr de ce flash out de Mad Life carrément. Attention, vraiment, Shake qui met une grosse pression. Il a eu peur avec son Nautilus. Il a eu peur Mad Life. Il n'a pas voulu prendre trop de dégâts. Il n'a pas voulu perdre ce trail. Alors que Space avait mis pas mal de coups avant. Il avait pris un petit peu cher Shai avec un Ignite. Il y avait peut-être quelque chose à jouer, mais bon, on préfère ne pas jouer l'aléatoire. Et on se dit sûrement côté CG que ben on est meilleur. Et qu'on n'a pas besoin de ça pour remporter cette phase de laning, autant la jouer safe et pas partir sur quelque chose de risqué. Donc à noter les Sigentus qui jouent avec double smite, alors que Djinnair ce n'est pas le cas. Déjà que Djinnair avait des difficultés au niveau du contrôle du dragon pendant ce temps-là. Ambition, le body slam, Shay sous Ignite qui décide de flash out. Mauvais choix le flash, pour le coup il était mort, clairement Shay était trop loin de sa tour déjà. Il a voulu tenter un flash grave, mais voilà, il y avait trop de dégâts de la part de Sigentus. Excellent gang d'ambition. Après. Sa jungle bottom side de la map, noir. Il est même pas allé faire son bleu. Donc un early gank, le genre de gank qu'adore effectuer Kikiz notamment. Oui. Kikiz est un adepte vraiment. Un tout petit bout de ta jungle et t'y vas, ambition qui se fait prendre à partie
par Chaser, mais voilà, qui va disengage avec un body slam. Pendant ce temps-là, sur la mid lane, on reprend les mêmes bases. Je vois pas un joueur ou l'autre s'imposer. C'est le premier duel vraiment qu'on a entre les deux joueurs. À chaque fois, il s'est pris un 2 contre 1, Coco. Et finalement, ils ont abandonné les Jinners, sa stratégie. Bon, ok, on n'arrive pas à le deny. Ça se passe mal pour Trace. Ouais. Stop, ça suffit. Jouons la classique standard. Comme on le dit, il faut toujours maîtriser ses classiques avant de tenter des folies. Et pour l'instant, on va 13,5 voir. 13,5 de KDA avec Urgot. Le Urgot de Space. 100% de win rate. Il a joué combien de fois Urgot, Trace? Enfin, Trace, Space, 2 fois. 2 fois. Pas énormément en soi. Ça reste assez récent quand même l'arrivée de Urgot au plus haut niveau. C'est 5,5. 5,6 même. C'est en 5,5 ou 5,6 qu'il a été up son mana shield. Ouais, je crois que c'est 5,6. Alors Gambamum qui lock un peu Coco, quelques dégâts là avec les crocs qui sont positionnés. Attention à ce genre de phase de jeu, hein, mais bon, la Cassiopeia ne va pas trop se commit non plus. On a peur du jungler adverse aussi, on a peur du backup d'un Gragas qui est un champion extrêmement mobile sur la duo lane. Non, bon, le Urgot subit un peu. Pour lui, c'est pas facile d'agresser une Sivir parce que dès qu'il va choisir de mettre sa grenade, il y aura le spell shield dans tous les cas et du coup, il peut pas vraiment la lock. Donc Sivir est un bon pick pour ça en lane, en plus ça push bien, ce qui est gênant pour Urgot qui a pas vraiment une capacité de clear effarante. Donc je pense que Sivir c'est un très bon champion en lane contre Urgot vraiment. Et on domine le match-up avec la lue de trait sur une Shyvana en early game, voilà, le POC, mais bon c'est un petit peu normal, jusqu'au moment où Shy sera absolument increvable et sera beaucoup trop tanky pour cette lue et pourra l'ignorer complètement. Sur la mid lane, le très bon push de Cassio qui force le back de Coco. Et qui lui deny un peu de farm. Bon, bah pour l'instant, c'est peut-être la première fois où les Jinners se font pas déboîter en face de laning. Bah, ils n'ont pas tenté de swap exotique. Et ça a l'air d'un tout petit peu mieux se passer. C'est vrai que Trade gère très très bien sa lane pour l'instant avec sa Lulu. Il met de la pression sur Shy. Après, Shy, quand il aura un peu de réessence magique et un peu de points de vie, il devrait se gosser des dégâts de la Lulu et de son Arras. Là, c'est pas facile. Là, c'est pas facile. Il s'est bien acculé. Ambition qui va récupérer le contrôle, dégager cette pink ward. On n'a pas de Nunu pour faire un early dragon dans cette partie. Et surtout, on a les deux duo lane face à face. Donc, ouais. Généralement, ça bloque un peu plus la faisabilité de l'objectif. Ah, Chaser avec sa Sejani qui arrive du côté du bot. Attends, t'as un gang de la part de Jinya Greenwings. Mais pour ça, encore faudrait-il que Madlife fasse que Madlife engage peut-être. Avec il n'y a plus de cooldown de lanterne, mais le truc c'est qu'ils sont très très proches de leur tour. Ouais, là c'est pas faisable, ils ont leur deux flash. Ah non, Madlife a pas son flash, excusez-moi. Il est toujours en cooldown. C'est peut-être pour ça qu'ils veulent y aller, les Jinya Greenwings. Le décalage du Ziggs. Ça y est, là c'est Jeanne qui arrive, il faut un grab peut-être. Non, le Gragas est là également. Le 3v3 qui ne veut pas être joué par les Jinya Greenwings. Et finalement, le Urgot se venge, hein. Il ne peut pas harasser Sivir. Donc on harasse le Nautilus. Pourquoi pas, il a sa lame de la DS, donc il a fait son bac, il a de quoi stacker, il a de la région de mana, il peut se permettre de venir être un peu plus agressif. Shyvana toujours dans la souffrance sur la top lane avec une quinzaine de creeps de retard, qui part sur forcément full résistance magie pour essayer de tenir le match-up. Et un départ assez calme, à part ce first blood pris par l'early gang d'ambition. Et c'est parti, Space qui met quelques dégâts là sur Captain Jack. On s'amuse au niveau des trades entre ces carries et les supports qui, pour l'instant, ont payé un peu le tribut. Hein, entre le flash, le first blood. D'ailleurs, un first blood pris avant les 10 minutes de jeu dans cette game. Wouh! Bah ouais, parce que quand même, dans l'ensemble du BO, on a eu des first blood hyper tardifs. C'était une game stratégique, ce n'est pas une game à kill. Et là, on a une compo un peu plus, avec plus de mobilité, avec beaucoup d'engage chez les Jinners, avec Sivir, Sejuani, Nautilus. Même s'il n'y a pas d'énormes dégâts derrière pour follow-up, il y a quelque chose à faire pour les Jinners peut-être pour être un peu plus agressif. Oh, Ambition, regarde, Ambition là, et Chaser qui se sont croisés dans la jungle, le 1v1 qui s'engage, j'ai pas vu qu'il y avait le buff Gromp. Pendant ce temps-là, au bot également, le 2v2 qui se joue. Et on avait déjà un début de décalage, un semblant de décalage de la part des midlaners. Ouais, la vision qui était prise. Oh ambition, flash out de la part de Captain Jack, le spell shield, slow, l'arrivée, oh le zig, oh le grab de Madlife également, ulti de la part d'Ambition qui est flash out de la part de Shane, il est là Ambition, il est là, il pèse.
C'est juste qu'il prend son niveau 6, il skill très très vite l'ulti et il tente. Et il tente sur Shade de venir gratter un kill supplémentaire. L'excellente intervention de Coco, je sais pas s'ils ont réussi à prendre le kill. Et Chaser qui a perdu le fil. Tout simplement, Ambition et lui qui se sont affrontés dans la jungle, Ambition a choisi de rester et d'aller tenter un gank. Tandis que Edginer pensait, ah ben il est retourné dans sa jungle, pas de problème. Et bien non, en fait, non, pas du tout. Ce Gragas était resté présent et c'était du bluff, Martoni. Alors, Shai, toujours en il retard. A vu cette pink ward, il l'a vu, mais il veut push, ne pas perdre de farm. Pour l'instant, pas besoin vraiment de venir la dégager, au moins qu'il est juste complètement zappé. Comme ça me paraît bizarre, non, il avait la vision sur sa lane là. Alors Shay qui va positionner une ward de l'autre côté du dragon. Bon, ça m'étonnerait que les Jhinner engagent un dragon là. Dans la situation actuelle, on a vu que leur teamfight à chaque fois, ils se faisaient dépasser par les Sylgientus. Et Shay donc manteau de spectre, il va essayer de monter en puissance petit à petit. Et là c'est bien, ça va lui donner de la régénération à chaque fois qu'il va se faire harasser par la Lulu. Oh, il en a extrêmement besoin de toute façon voilà, dans ce match-up. Le but c'est d'attendre on va dire les 15 minutes de jeu où là tu deviens vraiment complètement intuable. Parce que Lulu commence à perdre en puissance assez rapidement au profit d'un pick plus utilitaire. Mais surtout ben, voilà, la résistance magique qui se tac et le pool de points de vie qui augmente. Sinon, sur la mid lane, ça se passe très bien pour cette Cassio qui a profité du mini décalage de Coco pour venir placer son ulti. Pour la out farm, il l'a fait back quelques fois de sa ligne et il lui a deny quelques vagues de creep sur la tour. Le blue buff qui est récupéré et ce début de partie qui s'annonce une fois de plus bien pour les Sylgientus. Tentative un de vol. Peu tardive. Ouais, complètement trop tardif même. En mode Ezreal, c'est les Ezreal qui font tout le temps ça aussi. Mais le cooldown des Ezreal est un peu inférieur, je crois. Ah, ça, je sais plus. Ah oui, ça se peut quand même, ça se peut. Parce que ça avait été grandement augmenté, le cooldown de Ziggs dans la grande série de nerfs qu'il y a eu. Ouais, bien sûr, il en fallait quand même. Hein. Le champion était un peu trop fort. Je comprends pas pourquoi. Oh, mais non, pas du tout. Hein. Et pour l'instant, c'est vrai que le Ziggs de Coco, justement, comme quoi, une partie, le déroulement d'une partie ne laisse pas présumer du déroulement de la suivante. Puisqu'il est derrière au niveau du farm par rapport à cette Cassiopeia. Dans le 1v1 donc. Il y a le dragon qui est toujours là. Les deux équipes n'ont pas encore essayé de le faire. Le manque de Nunu peut-être, qui les calme un peu dans leur tentative. Et on déroule en face de la NCG, qui tente un grab donc pour Mad Life. Et Ambition qui est présent. La pink ward dans le tribush hein, qui permet de mettre beaucoup de pression sur le GA Greenwing. L'Urgot s'est fait engage, l'arrivée de la CG à Nispace a pris beaucoup de dégâts. Il s'est fait cesser lock, il n'a rien pu faire. Il s'est fait complètement instant. Le Ziggs n'a même pas eu le temps de faire un pas chassé sur le côté. Le disengage de Shai dans son 1v1 contre Lulu qui va se faire reboot même de la ligne. Et ça ouvre un dragon. Il n'y a plus de Shai. Il n'y a plus de Space. Ambition a essayé de disengage. On est bien là côté Jhinner pour le tenter peut-être. À moins que Ambition qui arrive, Coco également qui tente de pog. Attention à la barre de mana pour Coco. Il a un ulti. Ça voilà. Il est super bien positionné cette ulti. Ça fait quelques dégâts. Le TP de Shai, il a pas d'ulti Shai pour venir aider son équipe. Ils sont pris un peu en tenaille. L'arrivée aussi de Trace, il a pas d'ulti. Ils ont perdu beaucoup de points de vie et Jhinner et Wings, ils vont pas pouvoir le faire ce dragon. Ils ont 3 joueurs qui sont à peu près mid-life. C'est trop compliqué comme situation. Ah, c'est dommage, et on va retourner sur la ligne, voilà, avec la mobilité de la Shyvana. Coco qui va continuer son push, et là Coco serait pas mal qu'il arrive à fast push tout ça, et à réussir à faire son back, il a plus de mana, il doit avoir assez de thunes pour finir son Graal impi. Et Madef qui rate un hook, effectivement, le chat l'a noté. On prend ce qu'il y a à prendre hein, du côté du chat pour l'instant, c'est vrai, Madlife. Madlife qui a été quand même très très fort tout au long de ce BO5 pour l'instant. Et on attend toujours Monts et Merveilles, non, on n'est jamais rassasié des plays qu'il est capable de proposer hein, en partie de très haut niveau. 13 minutes de jeu, bon, 2 kills à 1. Jhinner pour l'instant n'est pas encore décroché dans cette partie. Mais attention, parce que tout à l'heure on a vu que les Sylgientus étaient très pointilleux au niveau de leur fight. Et Shai monte en puissance, Shai qui a été élu MVP de la partie précédente. Pour l'instant, qui galère un peu contre Trace. Voilà, la Lulu qui a l'avantage du Arras, forcément. Mais Shai farm, et bientôt il sera gros, Noah. Très très gros. Shai, oui.
Oui, bon, voilà, il a ses boosts de doux foyer, ses home guards, et il va être, essayer d'être omniprésent. Il va revenir extrêmement vite sur sa ligne. Ne rien perdre, ne pas lâcher une miette de farm, et essayer de se maintenir à niveau. Mais ça va, seulement un kagol d'écart pour les Sichi. Pas de tour de prise, pas de dragon de prix. Ça ne s'est jamais aussi bien passé pour la line-up coréenne. Bon, les deux line-up sont coréennes, donc cette phrase n'a aucun sens, mais j'avais envie de la sortir. Et le Séraphin, plutôt l'Archange, qui a été fini sur Cassio. Bien sûr. Alors, en late, que penses-tu du late shift de ces deux équipes? Oh, ben... Il y a une Cassio et une Sivir. Cassio, Sivir... Ça reste vraiment très très ça, fort. Ça, attention, le 2v2 qui est joué, là. L'ulti du Zig, ça a été flash out hein, de la part de Captain Jack, qui s'escape, qui a utilisé tous ses summoners derrière Ambition qui arrive. Ambition, va-t-il se retourner sur la CGANI de Chaser? Il a flash et il a shield de l'ulti de Ziggs. On ne veut rien prendre de la part de ce Ziggs. Tandis que là... Eh bien, la Shyvana qui proxy, tout simplement. Ah, c'est le moment. C'est le moment où Lulu commence à n'absolument plus rien lui faire. De toute façon, il a vu, il y a le jungler en bas, donc il ne craint pas grand chose. Et là, on a senti un CGNTU, c'est tanky quand même, même l'Urgot. On commence à encaisser des dégâts dans les trades. Et ça leur permet de se libérer un dragon là. La tentative vient des Jiner. Et CGNTU, ça a juste surrépliqué. Ils ont bien joué leur jeu défensif. Derrière, ils prennent un kill de nouveau. Mad Life quand même étant. Enfin, Mad Life en danger. Il va s'en tirer. Il y a eu un petit à l'arrivée de Shai. Shai qui n'a pas d'ulti. Shai qui fait de lourds dégâts. L'ulti de la part de Alu qui permet de tempo. Shai dans la difficulté. Shai n'a pas d'ulti. Shai qui va tomber. Il n'y a pas de lancer de la part de Mad Life. Mad Life qui grave. Non, c'est Captain Jack. Captain Jack qui est dans les bombes du Ziggs. Et qui va choir. Enferré dans le champ de mine de Coco. Il va choir finalement, Captain Jack. Ah, c'était une mine 4. Il fallait mettre 4 drapeaux autour. Et clairement, ils ont été plantés directement dans le corps de cette civière. Et premier dragon pour les CG, on va revoir le fight. Bah, on tank côté CGNTUS. Hein. On tank. Voilà, ambition qui tempo. Gros boulot de Gang by Mom. Avec l'ulti du Lulu derrière. Et là, Captain Jack, le grab qu'il ne faut pas prendre. De Mad Life U. Sur la charge au sol. Ouais, en plus, tout était bien joué à la part de CGNTUS, enfin, à partir du grab. Malheureusement, Shai qui TP sans ult, il a utilisé son ulti au top pour des push. S'il avait eu son ult, encore une fois, hein, Shai qui aime bien se donner quelques handicaps, je crois, dans ce BO5. S'il avait eu son ult dans ce fight, je pense que Jiner prenait totalement l'eau. Ouais. Un peu comme le fight où il avait utilisé son ult avec le Karim. Oh, en chasse, la grenade qui va être absorbée. Pas de grammes non plus pour Mad Life. Faut pas déconner. Bon, après, ça fait permet toujours de claquer, de faire claquer un outil gratuitement. Et Coco qui prend beaucoup de pression avec ce push au mid. C'est un Ziggs, il a le blue buff, mais il n'arrive pas à tenir à 4 contre 1, bizarrement. À une époque, tu pouvais. Ça a été trop nerf. Encore heureux. Et l'Urgot qui commence donc à devenir tranquille. Hein. Quelques armors. Qui est commencé de sa part avec un cœur gelé qui va être effectué là. Et pensant là, Shyvana qui proxy noie. Le farming de la mort est en route. Ça y est, il a enfin dépassé la lue de 13 qui pourra plus vraiment revenir de toute façon. Non, bah c'est plus son but. Hein. Va falloir se résoudre à lâcher la tour contre Shai qui est en train de se balader. D'ailleurs, on est obligé de ward la propre jungle et l'escape avec un ulti de Shai. C'est très très dur à catch une Shyvana. Mais elle est obligée de mobiliser 3 joueurs de la lineup Jiner pour la faire contrôler. Et le dépouche à l'ulti. Voilà, on fait le back et on dépouche à l'ulti. Trop trop fort pour ça, Ziggs. Plus que Lux même. De la Lux qui a été joué en LPL hein, pendant cette saison. Oui, il y en a eu. Ça me ferait plaisir d'en voir un peu plus. C'est toujours rigolo. Mais c'est tellement faible contre des tanks. C'était Shushai qui avait fait le spécial one shot double kill contre le SK. Non, à l'époque Dragonborn contre SK, saison 1 de LCS, split numéro 1. Oh, le grab de la part de Mad Life, il est ramené dans la box. Et ambition encore une fois, les combos de gang sont excellents de la part des CGNTUS. Hein. Il va tomber finalement, Shai qui tombe. Et pendant ce temps là,
Il y a du répondant du côté des DJI Green Wings, mais qu'est-ce qu'il tank Space déjà avec son Urgot. Et regardez, on tempo énormément du côté CGN. C'est la Shivana KTP également. Shivana, bientôt Lul, bientôt Lul, toi. Il est resté trop longtemps. Et encore un grab de Mad Live. Et Captain Jack qui va tomber. Bon. Par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est-à-dire qu'il y a TP, ils ont réussi à temporiser un petit peu. Et Tress, il le voit que sa CGN est en train de disengage, qu'il faut pas rester là-dedans. Et il est resté. Il s'est fait catch et il est mort. Alors c'est dommage, la sèche tankait très très bien sous l'ulti de Lulu. Ouais, ils sont vraiment pas au maximum de leur capacité, les Jiner. Ils continuent dans leur mauvaise série. Ouais. Et la T2 au bot qui est prise. Bon, pendant ce temps-là, on a pris une tour pour Gang by Mom au mid. Heureusement qu'il y a un peu de répondant quand même côté JR Green Wings, parce que c'est quand même hyper inquiétant. Et un ulti UZIX, paf, efficace. Presse R, efficacité. 50 secondes avant le premier pop du Baron Nashor. Le deuxième dragon ne sera moins une game qui jouera sur les dragons. Le premier ayant été pris extrêmement late. Le deuxième dragon qui repopera vers les 20 minutes de jeu. Et déjà, on a du mal à voir ce que peuvent faire les Jin R. Il n'y a pas encore le dégât. Dès qu'il y a pas, en fait, s'il n'y a pas Cassio, alors ils peuvent essayer. Fait plusieurs fois. Voilà. Pas de problème pour Shai. Et on va chercher le buff Gromp. Et c'est là où tu te dis, bizarrement, Shai, il se fait pas catch. Il se fait pas catch, il met pas un ulti à un moment inopportun, il overextend pas trop. Non, mais Trace a vraiment très mal joué ça ensemble du BO. Pour l'instant, en tout cas. C'est dommage, c'est vraiment... peut-être le joueur le plus mauvais de Jiner, alors que c'est censé être le meilleur. Alors que normalement, voilà, c'est le joueur référence, le joueur le plus solide sur qui tu peux toujours compter, que ça se passe bien, que ça se passe mal. Normalement, Trace répond présent. Là, il est passé à côté de son match, et passer à côté d'un match dans les playoffs, eh ben, ça ne pardonne pas. Moi, je pense pas, ça m'étonnerait fortement qu'on ait un blind pick Chips aujourd'hui. Bon, ce serait, non, vu la configuration des games jusque-là, ça serait hyper étonnant. Finale pour le blind pick. Ce qui n'est pas impossible. Mais tout ça, c'est dans un mois. Deux semaines. Non, trois semaines. 3 semaines. 15 secondes avant le tour du dragon. On est à 20 minutes de jeu. Si Gentus qui contrôle la game avec leur 4K gold d'avance. Mad Life peut-être pour le plays. Ok, Trace a réussi à sortir de l'ère d'influence du hook. Essayez-nous, le dragon qui revient, il y a un gros push au bot de la part des CG, Jiner va devoir les défendre, ou alors engage maintenant peut-être. Chaser en solo, pour l'instant Ambition a très bien coupé l'engage des JR Green Wings. Oh, Space, il était mal placé, Space il s'est fait écharper, on n'a pas le Ziggs qui est en train d'essayer de spam. Regarde Ashivana, c'est parti. Ouh, strike de la part Ashivana, les dégâts en zone sont monstrueux. Shai est en train d'apprendre la vie, l'école primaire au JR Green Wings. Chaser qui se voit couper de la retraite vers ses coéquipiers. Chaser prend de bons dégâts, mais voilà, il arrivera à s'en tirer un mort partout. Les Karyadés ont payé un cher tribut dans ce teamfight. Qu'est-ce qu'on est low côté Jiner également. La Shivana qui a remonté le teamfight. Là, c'est dommage, hein, parce qu'il y aurait eu Coco de bien positionné, ou même il y aurait eu Space. Le carton était plein, mais Shai qui arrive un tout petit peu tard dans le fight pour essayer de remonter tout ça. Et Ambition Counter Jungle, ça va être Smite. Et Dragon. Voilà le Dragon pour le CGN. Tu es au deuxième de la partie. C'est propre. Hein. Même en faisant une petite erreur au niveau de Space, ils arrivent à contrôler. C'est dire le niveau de sérénité de l'équipe quand même dans ce BO5. En plus, il y a une T1 à prendre au mid là. Qui va être récupéré, Noah. Ça fait 3 tours à 2. Ils reprennent les devants à ce niveau-là, et Gentus. Oh, ils se baladent là vraiment, c'est parti. Hein. Et un Carapateur. Oh, petit cadeau pour Space. Ça joue bien côté Gentus. Et Jiner, encore une fois, dépassé par les événements. Ouais, Shai, il apprend effectivement à Trace. Hey, tu te souviens, Shivana, ça joue comme ça. ça joue, je rentre dedans et je casse tout le monde en deux. Mais oui, bien sûr. Trace, il a jamais ulti avec sa Shivana, j'ai l'impression. Enfin. Dans un fight, on a l'impression qu'on est loin, donc on n'a jamais vu de ulti in à l'engage. C'est toujours le dernier recours pour essayer de s'échapper. Ça respirait le manque de confiance. Et une belle vague de creep là qui est farm par Captain Jack. Captain Jack qui a 1-4. Un AD carry à 1-4, on peut dire ce qu'on veut.
mais c'est qu'il y a eu des erreurs de positionnement. Ouais, c'est que t'as pas très bien joué quand même en général. Après bon, les deux Védons ont été joués, à chaque fois Ambition était là, voilà. Le problème après c'est côté Jean Air, l'équipe est vraiment inférieure au CG. C'est criant, c'est criant. C'est on voit que ça dans ce BO5. C'est ça, tout, mais en teamfight, en phase de laning, en rotation, il se débrouille mieux, les CG. All engage, oh, il est ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Regardez Shai, Shai tout de suite qui rentre dans les noix, c'est parti, et tout de suite il va gêner la backline, regardez les dégâts de Shai. Et pendant ce temps-là, on se repositionne, Space qui se lance. Ils ont tenu à 3 et l'arrivée de Space avec son ulti, plus Space qui vient la choper par derrière. La Lulu qui s'est fait intercepter et Madlife ne peut pas l'aider. Il a juste réussi à mettre un tout petit peu de pression. Regardez Shai qui courait déjà partout. C'est ça, Trace, le flanking avec Lulu, super efficient. C'est compliqué quand même pour les Junior Green Wings. Encore une fois, hyper un team fight. Encore une fois, les choses se passent mal. Mon latin. Ils ont tenu à 3 contre 5 ce début de fight. Shai qui s'est repositionné. Madlife qui a mis son ulti pour s'assurer que l'engage in air était cassé en deux. Et voilà, ça fait une tour de prise finalement pour SIGNG. C'était ça quand même le but initial. Au Chaser, ne va pas jouer avec le feu. Oh, la bombe. Il en manque une. Et la charge de Chaser pour se mettre hors de danger. Il a pas son nul, Coco. Non, bah, il a utilisé dans le teamfight, il l'a mis en plein milieu de la formation de Jiner. Et 7k gold d'avance. Si on continue, chaque fight on s'impose un peu plus. Oh Trace de nouveau pris de position, il y a bientôt l'ulti, il manque pas grand chose pour Shai, il est en train de générer de la fureur. Ouais, mais là il peut plus en générer, il peut pas... Trace va s'en sortir. Dommage, ça joue à pas grand chose pour cette Shyvana qui vient de passer du coup... en position potentielle d'ulti. C'est Gentus qui se repositionne dans la jungle adverse et qui contrôle. On tente des graves de Madlife avec le râle du Thresh. Et on push. Ils ont toujours avantage au niveau des tours. Jiner qui va maintenant devoir jouer sur la défensive noire. Ah, on parle de Karalus dans le chat. C'est vrai que c'est le bon moment de parler de Karalus quand il y a Madlife dans la même game. Et en attendant... Bon, que peuvent faire les Jin Air pour essayer de se sortir de cette mélasse? Un vrai teamfight déjà. Et attendre peut-être un peu plus de stuff sur Sivir. Sivir qui est loin derrière en termes d'itemisation par rapport à Urgot qui est extrêmement tanky maintenant. Avec son cœur gelé, avec son Muramana et son Mana Shield. Et le Bruta qui est fait aussi. Coco, tu le vois jamais dans le fight, mais tu vois des bombes qui pop à droite, qui pop à gauche. Il est bien planqué entre deux buissons, caché au milieu de deux bourrelets de Gragas. Et il DPS. La rotation sur la tour au top. Il n'y a pas Lulu, il n'y a pas non plus Shai. Les deux solo laners ont un TP au cas où. Et on va commencer le POC. Et c'est très bon en POC, un Ziggs, on s'en souvient. Pareil, si Space il arrive à passer une grenade. Sauf que maintenant, dans le 1v1, ben... Trace, il peut pas tenir une Shyvana. C'est impossible. Il est parti sur un Medjay, Trace. On joue le tout pour le tout, Chips. Ça risque d'être un tout à la négative, je pense, hein, pour ici, pour Engineer Green Wings. Je pense vraiment qu'il aurait pu jouer autre chose que Medjay, mais bon. On va voir. On veut être efficace rapidement. Du côté des Jin Air, on veut pouvoir remonter cette game avant qu'il ne soit trop tard. On connaît la capacité de snowball des CG. Humut avant le tour du dragon et CG qui insiste là au top sur 7-T2. Ce qui est fou dans ce BO, c'est à chaque fois les deux premières games se sont tellement finies de façon impromptue, genre pouf team fight, alors qu'il aurait peut-être pas dû en avoir un et win CG, que je me dis là à tout moment la game peut finir en fait. J'attends de voir. Est-ce que Jiner peut me surprendre? Il va grab Madlife, ça ne passera pas. Mais voilà, le siège est présent avec le Ziggs hein, qui a une énorme range. Et l'ulti. Oh. Ah, dommage, ça n'a pas touché. Ouais, mais ils ont POC. Chaser a perdu beaucoup de points de vie. Captain Jack a du mal à les défendre. Il y a une ward ici. Les graves de Madlife qui ne passeront pas. Et on va essayer de POC avec l'auto-attaque de Coco notamment. C'est bon, la tour T2 sera sécurisée. 16 secondes avant le troisième dragon pour CG. Et est-ce que les Jiners sont repartis dans leur mauvais penchant de le wait and die? Bah écoute, là on a l'air, on a d'être parti pour ça honnêtement. Là on a des Jiner qui sont apathiques, amorphes. Pourtant voilà, on a 1-0-1 sur Gang by Mom.
1-0-2 sur Chaser. Oui, mais là, la duo lane a pris tellement cher. Les gangs d'ambition à répétition ont fait très mal. Il a vraiment campé la bot lane. Il a fait un énorme boulot. Il a fait un énorme boulot et encore une fois, les grabs de Madlife à Madlife dans 9 des 9 kills de son équipe. Voilà. 100% de présence aux participation. Et le quatrième dragon qui ne sera pas défendu. Oh, ça pue. Ça pue encore la fin de game en 5 troisième, minutes. Troisième, dragon. Troisième, je dis quoi ? Quatrième. Oh, troisième, effectivement. Et pour ceux qui viennent d'arriver, ce sont les LCK, le premier round. La LPL sera commentée ce soir en direct, mais en différé. Voilà. Question de choix de production chez nous et de réalisation. Alors, CGNTUS, et bien maintenant, Noah, il n'y a plus qu'à dérouler, hein, tout simplement. Ils ont le contrôle de la partie. Et Jiner est tellement faible dans ce BO5, ça me fait mal au cœur quand même. Attention, Shy. Shy. Encore une fois, ils sont en train de rien tenter. Ouais, c'est easy, bon, Shy Tirnov, elle est qui va tanker là, qui va dive l'ulti du Zig. Les dégâts sont énormes, Jiner se fait totalement démolir en teamfight. Et Shy qui tanque tel un seigneur. Oh, l'ulti, mais. Ouais, mais l'ulti chase. Sur Shy tout seul. Ouais. Sur Shy tout seul, c'est avant qu'il faut le mettre, c'est à l'engage. C'est quand ils se font charger avec l'ulti de Ziggs. Il faut du flanking, il faut que c'est Shyvana, elle n'arrive pas de face, mais de côté. Enfin, il n'arrive pas, les Jiner n'arrivent pas à défendre contre les engages. CG n'arrive pas à teamfight, ils n'arrivent pas à se positionner. Et ils attendent, et là c'est déjà trop tard, ils ont trop attendu déjà. Ils peuvent se permettre de dive avec cette Shyvana, les CG. Et là, t'as l'impression, tu vois, tu redécouvres le perso. C'est-à-dire que très c'est Shyvana, il ne servait à rien, et là tu vois Shy. Il dive, mais sans complexe. Ouais, ben voilà, il fait son boulot, tout simplement. Il fait son boulot, Shy. Enfin, plus que son boulot, même. Il a une très grosse Shyvana. Mais voilà, ça, c'est comme dans la pièce spatiale de DBZ, moi. Shy, il a eu une pièce d'incubation. Enfin, il a eu une grosse période d'incubation sur sa Shyvana l'année passée. Alors de quelle pièce tu parles, la salle du temps ou de la salle de gravité? La salle du temps. Non, mais il faut être précis quand on parle de DBZ. Ouais, excuse-moi. Excuse-moi. Ouais, la salle du temps, ouais. Voilà, je comprends mieux. Ouais. Ça a un sens. Mais ouais, l'année passée, l'incubation a quand même été vénère, hein, avec les Shyvana Renekton à répétition au top. Ouais, il a eu le temps pour s'entraîner. Regardez. Shy. Voilà. The time has come. Lulu. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Trace, avec son méchant? Chachek qui se retourne limite vers lui en mode « Attends, c'est quoi? C'est un gratte d'eau ta baguette là? Vas-y. Gratte. Un peu en bas, ouais. Ouais, là, ah, pas mal. Remonte un peu. Voilà, c'est il continue, Chachek. C'est une baguette de sourcier pour trouver du skill et elle s'agite quand je suis à côté. Est-ce normal? Par contre, à côté de Trace... enfin, Trace, il apporte lui-même, elle marche pas. Je comprends pas, elle marche pas. Bon, on troll un peu Trace. Faut dire que c'est quand même pas le meilleur BO de sa vie. Shy. Gratte-moi encore, vas-y. Oh oui, s'il te plaît, sous les aisselles. Ah, il s'amuse vraiment, le soul laner de CGNTUS. Et le Nashor, donc, qui a été pris. Voilà, tranquillement, sereinement. Ils vont s'avancer vers peut-être un push final, les CG. Ouais, bon, ils peuvent tout faire. Bon, le 3-0, non hein. Ah, net, précis, sans bavure. Hein. C'est pas comme s'il y avait une contestation. Ils ont pris 5 kills en 3 matchs, pour l'instant, les Jin Air. C'est le stompé total. Parfaitement total. Regarde Shy. Hey les mecs. Enfin Warmog grandien. Quoi, vous voulez poser des wards? Non, pas moyen. Pensons là si Genesis qui enfonce la mid lane. Jiner qui regarde. Bah moi je leur propose d'aller à la fontaine et de prendre une longue vue. Ah c'est pas mal ça. Tant qu'à faire. Hein. C'est pas mal. Pour être sûr de ne pas s'exposer vraiment aux engages si Genesis. Faut pas déconner, alors est-ce qu'ils vont essayer de défendre cette tour? De toute façon c'est le dernier moment, c'est le all-in, c'est le moment. Les équipes chinoises en général elles surènent dans ce genre de situation plutôt que d'attendre la mort, mais c'est peut-être considéré comme un déshonneur comme en Occident. Allez, on sort les jumelles côté Jiner. Mais on regarde. Qui avance. Et on regarde et on ne défend pas cette tour, alors c'est pas comme mais si battez-vous bien sûr. Mais enfin, ça sert à rien d'attendre pour se faire engage là maintenant comme ça. Regardez l'arrivée de Shy, l'ulti de Ziv. Le dépop est total. La raclée est sévère. La peau des fesses commence à rougir chez les Jin Air. Ah, ils sont fait écorcher vif là par les CGNTUS. Et c'est la fin de la game. Voilà. Le même scénario qu'aux deux parties précédentes. CG a juste mis un peu plus de temps à chaque game, non?
Mais finalement, vite le résultat fait. Est le même. Vite fait. Je crois qu'ils ont mis 2 minutes de plus quand même là. Ah, effectivement. La différence est à noter. Bon. Bah voilà. Un petit dive fontaine, histoire de. Allez, c'est le Nexus qui tombe. Victoire c'est Gentus, donc victoire facile face à des Jiner Green Wings. Hyper décevant. Hyper décevant. 5 kills en 3 games. Vraiment, ils ont joué contre nature. Enfin, des games totalement illogiques de leur part. Ils ont rien proposé. CG a déroulé son jeu tranquillement. Shai a montré quel monstrueux top laner il était cette saison. Et donc, eh bien, voilà, nous avons l'équipe qui ira affronter les SKT T1 la semaine prochaine, vendredi prochain. Ça va pas être le même match. SKT T1 contre CG, c'est du très très lourd. Ça va être un très gros match. Très 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 gros match. Alors du coup, Noah, la LPL, c'est ce soir à 20h, on vous rappelle. C'est ce soir à 20h. Et là tout de suite, qu'est-ce qu'il y a sur Gaming? C'est Ellie qui vient sur Gaming, donc qui va reprendre le stream. Ensuite, il y aura Nono à la suite de Ellie. Et ensuite, il y aura la LPL Chips. Voilà. Un beau programme. Ouais. Et demain, parce que demain, je vais mettre le planning sous les yeux. Ah. Demain, demain, grosse journée. Très, très lourd demain. Alors, je ne suis pas sur le bon planning. Non. Forcément. Il y a trop de planning chez OGaming. Il est là. Alors, demain donc, on commence avec à 11h. Une demi-finale de la LPL. Voilà. Ensuite, il y aura quelques petites games, un petit peu de meublage. Après, on attaque la troisième place de la petite finale des LCS EU. Ouais. Donc, ce sera SK contre H2K. Tout à fait. Ça va être super sympa. Ensuite, on enchaîne avec la troisième place des LCSNA, forcément. Donc, qui va être Team Liquid contre Team Impulse. Team Impulse, oui, effectivement. Dimanche. Pareil, demi-finale de l'LPL, ensuite un petit peu de meublage et après on partira sur un pré-show pour cette finale d'anthologie. La grande finale, ouais. Fou. Honnêtement, c'est la plus belle finale qu'on pouvait avoir. UOL Fnatic, ça va être énorme. Très très lourd. Et on enchaîne sur la finale des NA, donc TSM Cloud9 qui vaut également très très sympa. Donc voilà, tout le week-end, vous avez le top du top du top du top de la compétition et ce sera sur OGaming. Sur ce, nous on va vous laisser avec Ellie. Tout à fait. On espère que vous êtes chaud et n'oubliez pas, à 20h, on se retrouve pour OMG contre LGD, match au sommet dans les quarts de finale de la LPL. Uzi contre Imp, notamment, à ne pas louper. On se dit à tout à l'heure et bon stream, bonne journée sur le gaming. Salut à toutes.